Et c'est parti. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Voilà. Ah, j'ai pas changé ça. Salut Thunder. Salut, salut. Alors, je... Voilà. Mais vas-y, trouve. Ah ah, c'est dommage. Il trouve pas le nom du jeu. Oh là là. C'est quoi le nom du jeu en original? Cherchons. Non, c'est pas ça. Blabla. Je l'aimerais en japonais. Mais pourquoi tu me mets des trucs de merde? Enfin, il reconnaît pas les chevaliers du zodiaque. La légende d'or, voilà, c'est ça. Mais le nom original du jeu. Ogon Densetsu. Merci beaucoup. Que ferais-je sans toi? Alors. Du coup. Il y en a plusieurs, c'est quoi? On va mettre ça. On sait. Tac. Et voilà. Est-ce que ça s'est mis à jour sur l'over, enfin sur le truc? Ah là là là. Y a pas que toi qui as voté pour ça, malheureusement. Oh, malheureusement, c'est pas tout à fait vrai. Je n'arrive pas à mettre à jour le truc qui me dit que. Est-ce que c'est à jour chez toi, Tanda? Twitch, que fais-tu? C'est ok, d'accord, ok. Bon, il m'a pas mentionné le fait qu'il avait changé, mais bon, ok. Très bien. Voilà, donc
Je vous invite, viewers, que ce soit ici sur YouTube ou partout ailleurs, si vous tombez sur cette vidéo, maintenant, présentement, vous avez à peu près 3 minutes pour aller dans, je vais baisser le truc, dans votre cuisine ou votre mini-bar ou votre bar ou n'importe où, prendre la boisson alcoolisée la plus forte que vous ayez et vous préparer un stream de qualité. Car ce soir, en exclusivité, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de streamers qui ont streamé ce jeu, nous allons jouer au Chevalier du Zodiaque sur NES. Eh oui. Parce que les viewers sont des tyrans et que quand j'ai proposé un truc, ils ont choisi le pire choix qu'ils pouvaient faire. Mais je les aime quand même. N'en doutons pas. Alors, je vais quand même laisser. Cette chose merveilleuse. Ouh là là, c'est fort. Voilà. Ça va mieux là, le son? Ah, une merveilleuse OST. Donc sorti en 1986. Tu sais, je pense que, à part me dire qu'il faut que je farme pour gagner des points, ça devrait aller. Mais merci. Pégase, patronyme Seiya. Ah, oh, mon dieu. Originaire de Grèce, depuis quand il est originaire de Grèce? Estocade finale, étoile filante. Waouh, j'avais pas vu tout ça. Dragon, ok. Shiryu, originaire de la montagne de Chine. Pas mal. Fureur du dragon, oh là là. On a une présentation des personnages. Signe. Yoga. Originaire de Sibérie. Foudre d'Aurora. Ouh, les mecs, ils n'avaient pas fini de traduire la série TV, hein. Andromède. Chêne. Au moins, des gens. L'île d'Andromède. Bah oui, tiens, pour ça. Chêne nébulaire. Alors, est-ce qu'on va avoir droit encore à un perso? Attention. Oh, Ikki. Île de la Reine Morte. Battement d'ailes. Putain, c'est pas. On dirait un roucoule, le gars. Bon, les cloches sonnent 20h, je pense que nous allons pouvoir gentiment débuter. C'est parti. Alors, début. Donc, j'ai trouvé un moyen pour avoir le bon signe du zodiaque. Faut mettre 0. Donc, du coup, je suis bélier, je joue bélier. C'est parti. Enfin, normalement. Donc, nous contrôlons Seiya. Seiya. De toute façon, qui peut sauter et donner des coups de poing. Et, de temps en temps, donner un coup de pied. Et on commence au début de la série, c'est-à-dire quand il va récupérer l'armure de Pégase. Donc, Marine se pointe pour nous donner un didacticiel incompréhensible. Entraîne-toi contre Cassius. Mais je vais devoir lui pourrir la gueule, Cassius. Ne t'inquiète pas. Alors je vais combattre. Avec ça, on peut recharger le cosmos. Il y a 4 caractéristiques. Voilà. Alors, je recharge mes 4 caracs. Bim! Eh, il attaque le premier. Oui, j'ai regardé ça. Je choisis une défense. Je choisis la défensive. Parer ou esquiver. Je vais esquiver parce que. Hein. Elle me met un petit coup de poing qui ressemble à rien. Et moi, je vais lui mettre. Le météore de Pégase! Ah non, pardon, Pégase, point de comète. De commode. Bien, c'est tout. Bon, ben, on va lui en mettre un coup. Et bim! Choisis l'offensive. Bah, je vais recommencer. Je pourrais mettre un coup de pied. Alors, on essaie le coup de pied. Bon, vas-y.
Bam, prends-toi mon coup de pied dans la gueule. Choisis la défensive. Donc du coup, j'aurais dû faire les points en fait. On va réesquiver. Je charge mon cosmos. Et c'est parti. Bah ben, on va refaire un émetteur de Pégase. Ben, c'est ma master attack. J'ai réussi à pourrir le premier perso. Oui. Salut grand pop. Cassius, Seiya, bâton, combattons. Pardon. Et l'armure sacrée et le prix pour hier. Seiya, faible gamin. Tu me le paieras, salaud. Bouffe mon point de Pégase dans les dents. Et voilà. Choisis l'offensive. Coup de poing. Pégase au point de comète. Et là, je me fais un lumbago. Il y a un petit moule boule aussi. J'ai réussi. Tu es donc le premier chevalier. Ah, je l'ai. Va au Japon. Alors, les dialogues, de toute façon... Ouh, c'est quoi ça? J'ai fait quoi? Le combat commence. D'accord. Voilà, hop. Et maintenant, en fait, il faut que je farme le mec qui devrait se trouver en bas. Sérieux, tu peux voir les stats de l'ennemi? Mon dieu. Alors, normalement, il est censé y avoir un loulou par là. Je sais pas où il est. Alors, bon, on va déjà augmenter les... Je vais déjà faire une augmentation de stats. Je vais voir si je l'ai pas... si il est pas par là. Ça m'avait déjà fait le coup une fois, parce que j'ai réessayé le jeu. Ok. Ah, bon, donc il faut bien que j'appuie sur Select pour qu'il apparaisse. Quoi de neuf, Seiya? Bah écoute, je vais monter de niveau. Alors, c'est hyper cryptique comme truc. Donc... D'après ce que je me suis renseigné un petit peu quand même, pour éviter... Parce que ça faisait quand même beaucoup de fois que je me prenais le branlé. Alors, PO, ça doit être les points offensifs. A, ah, je crois que c'est la magie. Quand en anglais, c'était... c'était ça. D, défense, C, je sais pas ce que c'est. PS, c'est les points de saut. V, A, F, A. Je ne sais pas. Donc du coup, on va quand même augmenter ça et ça. Il me reste 8 points... bah, je vais être un bourrin. Voilà. Et je sais qu'on peut augmenter le cosmos aussi et les PV, mais ah bah voilà. Bonjour monsieur. Voilà. Donc du coup on va farmer ce mec là pendant 1 million d'années. Ah mais c'est qu'il revient tout de suite en fait. J'ai qu'à rester bêtement. Mais non monsieur, pourquoi vous êtes parti? Est-ce que... Ah je peux descendre l'escalier. Fantastique. Bon, du coup, je vais mettre là et je vais taper. Okay, on fait ses katas. Mais il faut qu'ils reviennent de l'écran quand même. Je sais pas. Ça m'a l'air un peu obscur comme. Bim. Pas descendre trop vite l'escalier, attention. Et le mec il descend l'escalier à genoux. Ce qui serait pas marrant. Tiens, mange mon mouchoir de poche. Je vous invite aussi à mettre une autre musique si vous voulez. À part ça, je sais pas jusqu'à quand je dois farmer en fait. Donc, regardons, je saute jusque là. Et si je mettais un point en saut, voir si je saute plus. Point 9, j'ai des pecs. Je forme un pauvre pelé du sanctuaire. Tac. Attention, vérification. Ah! On saute plus haut. VA pour la vitesse, PD sa défense, PC c'est selon les sources de constitution les compétences. VA la vitesse d'attaque sur l'écran d'aventure.
RS, la puissance du saut sur les combats d'aventure, et FA, c'est la force de ton arme. La force de mon armure. Oh là là, mes tendards, mais que ferais-je sans toi? Oh là là. Mais la force de mon armure, ok. PA pour la vitesse, mais comment tu traduis PA pour la vitesse? Les mecs, ils se sont dit quoi quand ils ont traduit le truc? Point de... Point de... Je sais pas quoi, d'avancer, de... Je sais pas. C'est important la vitesse d'attaque sur l'écran d'aventure parce que concrètement je vais pas faire un beat'em all. Enfin, pitié. Ah merde, je crois que j'ai été pas assez loin. Mais je m'en fous du coup. Ah merde, il m'a touché. Si je reste comme ça, est-ce que ça marche? Est-ce que le mec respawn automatiquement? Ah bah si. Je vais t'avoir mon loup. Maximum de 5 dans les statistiques et à mon avis la traduction PA c'est point d'agilité. Oh. Effectivement ça pourrait être ça mais c'est un peu obscur quand même. Bon, alors avant de me faire trop maraver la gueule, je vais gentiment. Mais en fait, voilà pourquoi Sayar, c'est le héros. C'est parce qu'il a farmé au sanctuaire, le salon. Je voulais rajouter des PV. Voilà. Bon, bah écoute, je vais augmenter. Je vais monter ça, ça, et ça. Je crois que c'est bien. Enfin. Bon, on va essayer de farmer un peu la vitesse aussi. Ah, tu es là. Salaud. Oh, ninja. Bref. Attends. Hop. Non, mais je crois qu'on est sur de bonnes bases, là. On est parti pour gagner. Mouchoir de poche! Parce qu'il pouvait donner plus d'XP. Ah, et puis ce petit son musique midi, là. Je sais pas si c'est du midi à ce niveau. Ouais, effectivement. Et ça, ça dépend de ton signe du zodiaque. Le signe du zodiaque du bélier est un signe relativement équilibré. Le capricorne avait pas mal en attaque, je crois. Il avait 2 points en saut, au moins. Ah, c'est assez... c'est assez intéressant sur le concept. Mais à part que mettre la date de naissance, c'est complètement... complètement aléatoire. Ah non, c'est pas aléatoire, mais pour avoir le bélier, tu dois mettre 0-1. Alors que c'est. Je sais pas s'ils sont sur un calendrier spécial ou quoi. Donc, braves gens qui suivaient ce stream avec grand intérêt, je suppose. Mais je promets. Je mets une petite commande pour savoir, comme ça les gens mettent, rentrent dans le chat une commande pour savoir où j'en suis dans le jeu. Ah, puis je sais pas jusqu'où farmer en fait. Enfin, jusqu'à combien farmer. Je pense que si j'ai 5 partout, c'est cool. Mais enfin pas dans les compétences en bas parce que
Viens là, espèce de... Mais c'est... Très honnêtement, c'est quoi ce mec qui vient tout le temps se faire maraver? Je comprends pas. Non! Bon, 36 pecs... On avait dit quoi dans la vidéo? Il fait 20 minutes de farm. Bon, on va pas faire beaucoup plus du coup. Histoire que ce soit pas encore plus chiant. Alors. Et j'ai roulé sur la salle que les 8 dans toutes les compétences. Et ça va être long à mourir. Oh là là, ça va être long. Pif! Bon. Ah! Il est revenu! Salaud! Je t'avais pas vu! Ah bah, Shiryu n'a qu'à bien se tenir, il va prendre cher. Ben, il est où le monsieur? Bon, alors on va faire ça, écoute, on va mettre 8 dans toutes les compétences du haut. Ça va être un peu long. Après tout, je suis le héros de la série, je peux bien prendre un peu le temps de me préparer. Éviter de finir comme une grosse merde. Shiryu qui me one shot au premier combat. Par contre, 8 points. Ouais, ça veut dire qu'il me faut une centaine d'XP quoi. Oh là là. Ça va être long. Alors par contre, un truc que je n'ai pas regardé, c'est jusqu'où va le jeu en fait. C'est-à-dire que bon, on a le championnat, ensuite il y a Ikki qui pique l'armure du Sagittaire, après il y a l'histoire avec les chevaliers d'argent et les chevaliers d'or, puis ensuite on passe sur Poséidon. Je pense que le jeu va s'arrêter après les chevaliers d'or. Parce que s'ils ont fait Poséidon, c'est cool. Hein. Moi je suis pour. Oula. Non! Je fais n'importe quoi. Non, salaud! Tu m'as touché! Bon, on va se remettre des PV. Quoi de neuf, d'ailleurs? Je pisse le sang, mais ça va. Pointe. Ah, mais je peux monter à plus là! Ouais, j'ai plus de cosmos. Oh bon, de toute façon, on s'en fout, j'ai pas besoin de cosmos. Allez, je laisse 2 points par acquis de conscience. Pic, hook, pic. Le jeu s'arrête à la fin du sanctuaire. Ok, bah du coup, il s'arrête bien aussi. Monsieur, tu crois vraiment me battre? Je suis porteur d'une armure. Enfin, là, elle est dans ma poche, mais si je voulais, je pourrais la mettre, attention. Ah, mais je suis en train de faire n'importe quoi. Mais décidément, il y en a du boucan aujourd'hui. Non, messieurs, arrêtez, je suis Seiyar. Oh merde. Oula. Vers l'attaque du mouchoir de poche.
J'ai vu un mec qui disait, bon, tu montes toutes tes stats à fond, et ensuite tu plies le jeu en 1h30. En fait, il y a 1h15 de... 1h15 de farm. Je vais devenir fou avec cette musique quand même. Aïe. Ah! Arrêtez! Mec qui respawn. Oh, mais du coup, si. Mais c'est parce qu'il est parti là qu'il a respawn? Oui, je crois. Tiens, prends mon coup de pied. Oh! Sérieusement? C'est sérieusement ce code-là? C'est tentant. Ah merde, je suis pas allé. Bah, monsieur le, voilà, merci. Monsieur le mob, t'es où? Non, genre, on va pas utiliser de code. On va le faire legit, s'il faut farmer, on farm. Alors, est-ce que j'arrive? Quoi de neuf, Seiya? Sonnerie. Ce début de menu est angoissant. Ah. Ok, donc il faut 14, 15, ça veut dire 29. Oh là là. Hop, 9 fois 2. Ah, une soixantaine de points. Hop. Ah merde, il a anticipé mon attaque. Le salaud. Le sixième sens. Le septième sens. Bon, là je me pose. Hein. En fait, je vais mourir avant d'avoir réussi à récolter mes pecs.
Ah mince! La taille du mouchoir de poche. Bon, ben, on va y arriver. Oh là là. J'espère que c'est la seule partie de farm du jeu, sinon ça va être compliqué. Heureusement qu'il envoie quand même des petits projectiles, machin. J'ai encore pexé un peu. Allez, je fais jusqu'à la demi. Bah après, je sais pas comment ça va se boutiquer. Ils vont pas mettre des mobs inexistants au milieu de rien, quand même. Je sais pas. Non, parce que si je peux augmenter la puissance de mon armure, ça me porte bien. J'aime bien ça. Oula. La musique qui elle-même me dit arrête, tu en fais trop. Arrête, tu vas te fatiguer. Ah merde. Bon. Alors, voyons voir ce qu'on peut avoir pour 80 pex. Rien, tais-toi. Occupe-toi des enfants de l'orphelinat. Bim, bim. C'est bien, il me reste pile 20. Attends, tu m'as dit... Je remonte un peu le chat, pardon. FA, c'est la force de l'armure. Paf! Ah, quand tu augmentes en fait la force de l'armure... Non, il y en a plus. Ah, j'ai une armure plus forte, mais je ne la porte pas parce que tu es trop faible. Bon, alors, je vais faire un truc. C'est pas ça. Je vais faire un petit truc. Contre le jeu. On va mettre cette touche. Et du coup, voilà. J'ai fait une safe state. Au cas où. Ah oui, mais je suis bête. Ben du coup maintenant je peux aller choisir la destination. Alors on va directement aller chez Kido, vous pensez où c'est. Seigneur, va à salon de Saori. Ah rien. Non c'est pas là. Putain de manoir. Ah mais c'est toujours pas là. Il ne veut pas avoir son salon à côté de la porte d'entrée comme tout le monde. Y'a quoi après en fait? Comme ça. Une statue d'Athéna. As-tu l'armure sacrée? Bonjour, ça te fait chier? Oui, l'armure de Pégase. Combat au tournoi. Le tournoi galactique. Va plutôt à l'orphelinat. Ah, je peux pas faire le truc là. Je pense que je vais quand même passer par l'hosto.
Ouais. Va au Colisée à présent, Seiya. Oui, oui. Faut juste que je retrouve le stone en fait. Mais pendant ce temps-là, on monte sur les bâtiments. Non. Ah, il est là. Je crois que c'est ça. On sait jamais, il peut y avoir une voiture dans les rues. Du coup, c'est beaucoup plus safe sur le bâtiment. Allez, repose-toi ici, Seiya. Wouah, j'ai 60 PV. C'est parce que j'ai augmenté la puissance de mon armure ou il y a un truc? Bah, du coup, je vais transformer quelques PV en points de cosmo. Ah, ça m'en rend deux. Bon, ça m'en rend deux. Je crois que quand je vais voir Trucmuche, là, comment s'appelle la fille d'Orphine, là, le médecin est absent. Déjà, Molise, merde. C'est pas grave, Tandar, on va. C'est une bonne surprise. Quoi de neuf? Putain, arrête. Choisis la destination, orphelinat. Salut, truc. Je sais plus comment ça s'appelle. Oh, Seiya, je ne t'attendais pas. Connais-tu ma sœur, Mio? Désolé, mais je ne sais pas. Si tu as gagné le tournoi, ta sœur devrait regarder. Merci, Mio. Donc, du coup, elle, c'est Mio. Je sais plus comment elle s'appelle. Oulou. Bon. Hop, direction le tournoi, foutre une branlée à Shiryu. Et à tous les autres. Choisis la destination. Le Colisée. Hop, ah oui, il faut que je rentre dans le Colisée. Peut-être que je mette mon armure. Bienvenue au Colisée. Le tournoi va commencer. Premier combat, Seiya contre Shiryu. Quoi de neuf? Faudra un bouton rapide pour pouvoir mettre son armure, parce que c'est lourd. Libère ton cosmo! Ah, bienvenue au Colisée. Mais non, j'en ai marre, elle. Vas-y, Shiryu, je vais te pourrir la gueule. Cette fois, tu ne mourras pas! Salaud! Ah merde, j'aurais dû faire parole. Ouais, je pense que je vais faire ça. Il attaque le premier. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Ah non, bah, se ferme ta gueule. Prends ça dans la mouille. Très bien. Coup de poing du dragon. Non, coup de poing du Pégase. Pas du dragon. One shot. Ok. J'ai réussi. Gagnant, Seiya. Va à combat 2. Ok. Deuxième combat, Seiya contre Yoga. Là, je vais le faire direct. Oh mon dieu, cette tête. Viens donc, Seiya. Yoga. Je viens me battre. Chers autocosmos. Il attaque le premier. Le blizzard du mal. Alors ça, la traduction, je pense que le mec, il s'est suicidé après. Choisis le sortir. Yeah, météore de Pégase. J'ai réussi. Oh mon dieu, Sean, t'es dégueulasse. Gagnant, Seiya, va à combat 3. Troisième combat, Seiya contre Sean. Allez, je devrais y aller. Regarde, ma chaîne agit. Ma chaîne agit. Quoi? Quoi? Ouais, exactement. Quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Ce combat est inutile. Je suis d'accord. Tu as déjà perdu. Choisis l'offensive. Bouffe mon poing.
Bim. Red, ok. J'ai réussi. Ouais. Oh non, Iki. Ah, je remporte l'armure d'or. Qu'est-ce qui se passe? Seiya, vite, sors du Colisée. Ben quoi, il y a le feu? Heureusement que le jeu n'est pas con. Ah oh, merde, un mec. Je pense que le jeu n'est pas complètement cryptique. On va enlever l'armure déjà. Ah bah, j'ai pas enlevé l'armure. Mais il va où le mec? Reviens! Mais. Hey bro, qu'est-ce que tu fais? Ah, mais j'ai plein de pecs, attends. Quoi de neuf, c'est. Ah, j'ai plein d'expérience. Moi, j'aime bien augmenter ça, c'est rigolo. Puis ensuite, on a. Ah, non, c'est. Ah. Ah, non, reviens. Hop, on a 7 pecs. Bon bah les gars. Voilà. Et je vais enlever mon armure parce que sinon je vais être dans la merde. Oui, armure. Gare à la défensive. Mais oui. Le mec il se prend un coup, il se barre. Tu me donnes combien de pecs, gros? Monsieur. Tu m'en donnes 3? Bon, ok. Et voilà! Et voilà! Mais ils sont partout! Bon, dans ça, il me reste 8 PV, je vais essayer de pas mourir. C'est bien. Madame, je suis blessé! Vraiment, les mecs qui prennent un coup, ils meurent, quoi. Repose-toi ici, Seiya. Bah oui. Toujours à 60, ok. Je vais. Mettre des points en armure. Voilà. Le médecin est absent, si tu dis. Puis je vais remettre des points de cosmos, parce que sinon ça ne va pas. Ça va être douloureux. Je pense qu'avec 40 PV, je devrais arriver à m'en sortir. Allez. Le médecin est absent. Ah bah merde. J'avais justement besoin de lui. C'est con quand même. Monsieur, foutez-moi la paix. Pourquoi je vais à la marina? Tu ne me fais pas peur, mec. C'est ma chambre. Je peux pas me reposer dans ma chambre? Allez, une petite nuit de sommeil. Il faut que j'aille. Quoi de neuf? Oh putain, c'est. Choisis la destination. C'est par là, je crois. Ouais. Ah! C'est quoi cette horreur? Vous êtes qui? Vous voulez quoi? Tu es ici, c'est... Non, je... Non, bah en fait je suis là-bas, mais... Donne-moi l'armure d'or. J'aurais peut-être dû mettre mon armure, mais je m'en fous, j'ai la foi. Après tout, je suis le héros du... de la série. Je peux y arriver sans. Il attaque le premier. Merde. Choisis la défensive. Bah, comme d'hab. Zbli! Ah ouais. Pégase, point de comète!
Ah ouais, ça c'est fait, ok. J'ai tout récupéré, j'ai tout récupéré. Mais attends, j'ai vraiment tout récupéré? Ah non, j'ai les bras. Il m'a donné 18 pex. Qu'est-ce que je fais avec 18 pex pour ça? Ok, j'ai les bras. Excusez-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un tout en haut? Non, c'est demandé. Ah si, il y a les mecs, oui. Tout va bien. Je vais peut-être retourner à l'instant. Mais reviens, mec. Mais... ce troll. Monsieur, revenez. Monsieur, s'il vous plaît. Bon, monsieur l'orphelinat. Là, je suis sur la marina. Les mecs, ils sentent que je suis trop fort pour eux, alors ils se barrent. Comment vous voulez que je farme, du coup, messieurs? Soyons un peu raisonnables, s'il vous plaît. C'est vraiment ça, on est que des figures. On n'est pas payé suffisamment pour ça. Ah là, il y a un courageux. Il a hésité. Et il hésite toujours, hein. Il se dit, ouais, peut-être que je peux me le faire. Si je le feinte, il croit que je pars, il va pas être prêt. Je vais balancer mes PV restants. J'espère que je vais pouvoir donner. Non, je vais garder un PV quand même. Il manquerait plus que je me fasse tuer par un PNQ là, mais. Ce serait con. Repose-toi ici, mais avec plaisir. Alors, ok, 60. Très bien. Du coup, je pense qu'il faut que je retourne voir Saori. Aïe, monsieur, vous m'avez tapé. Tiens. C'est pas du tout là où je voulais aller. Quoi de neuf? Ben écoute. Choisis la destination. Allez chez Kido. Ah! Jean-Robert n'est plus là. Très bien. Bon, là je peux pas taper donc il n'y a personne. Bonjour! Bon. Ponche? Non. Ah, peut-être la sortie du soutien. Faut aller dans le sens où on regarde les statues. Bon, je suis sûr. Ah. Il se trappe. Pendant que je visite, je bois. Décidément. C'est quand même un peu de la merde. Qu'il y a un mec caché dans l'orange. La 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 ya ya. La la la. La la la. Bonjour Saori. Iki, à le reste de l'armure, dors. Reprends l'armure, Seiyar. Phoenix Iki est au Mont Fuji. Ah. Ça veut sans doute dire que je dois y aller. Allons au Mont Fuji. Bon, d'abord, je revais à la porte. La la, la la la.
la la la. Bon, j'ai arrêté aussi. Hein. Du coup, le mont Fuji, c'est par où? C'est pas par là. Quoi de neuf, Seiya? Oh putain, c'est tout bien. Choisis la destination. Mont Fuji, maître Mou. Mont Fuji, maître Mou. Bah, on va aller voir le maître. J'ai pas tellement envie de tomber, hein. Salut! Es-tu un ami de Shiryu? Oui. Non. Oui. On va mettre oui dans l'histoire. As-tu vu maître dans la grotte? Oui. Non, pas encore. Va plutôt dans la grotte. Bon, merci. Oui, je sais qui est mou et qui est dur, etc. Mais ah oui, d'accord. Attention. Oh la vache! Non mais sérieusement, il y a des vrais trous? Oh putain. Je pense que les prochains pecs que je vais mettre, c'est dans le seau. Éviter de me ramasser. Vole comme un dragon et plonge dans la cascade. Ok, nouvelle citation, oui, effectivement. YOLO! Ah merde! Oh putain. Bon, alors j'en déduis qu'il faut que je... Oh, cette musique. Non mais c'est à Shiryu de faire ça, c'est pas à moi. Vieux maître! Ah, c'est cool! Ouais, ok. D'accord, donc bon, en même temps, je pense. What? Qu'est-ce que quoi t'es? T'es sérieux là? Ben, pourquoi la première fois je remonte et la deuxième je me casse la gueule? C'est pourquoi? Bon, bah on va aller voir Mu. Enfin, Mu. Enfin, Mumu. Va-t'en d'ici, gamin. Ah ah ah. Sauve-toi, continue. Es-tu le chevalier? Bah. C'est quoi ces horreurs? Tiens, prenez ça dans la gueule. Wouah, la fâche! Wouah, c'est. C'est quoi ces choses horribles? Mais. Oh, c'est quoi ce platformer à deux balles? Oh, coup de pied dans ta gueule! Oh putain. Salut! Veux-tu mon aide? Oui! Pour restaurer l'armure, je dois prendre ta vie. Es-tu d'accord? Oui! Mais ça, c'est Shiryu qui le fait aussi. Je vais préparer ton armure. Pourquoi je récupère des PV? Pourquoi il dit je vais prendre ta vie, mais du coup, je te rends des PV. Je pense que ce jeu a quelques traductions mal foutues. Alors, j'ai dit que j'allais mettre un point en saut. Bon allez, on va mettre un point là, et puis un point en offensif. Quoi? Je suis pas... Quoi? Mais... What the fuck? Mais du coup, j'ai... Mais... C'est que moi, je suis passé à travers le sol. Est-ce que j'ai mes points? J'ai pas mes points. Mais c'est dégueulasse. Tu devrais rester ici. Ouais, non, mais je m'en fous de ta vie. Je dois partir. Bah, du coup, je vais retourner voir machin. Mais je vais essayer de... Comment j'avais fait pour trouver le trou? Maître Mou. Bim bim. Ah là, fais-moi les malignes, hein, espèce de... Alors là, je vois des...
Là, ils sont dans le trou, c'est très bien. What? What? Je suis têtu, hein. Mais c'est... J'ai l'impression de voir des... comment ça s'appelle? Des boniches. Mu! Mais non! Mais c'est quoi cette merde? Bon, on va supputer que je ne dois pas aller là tout de suite. Mais j'aimerais quand même bien avoir un peu plus de PV que... ces pauvres misérables. Parce que je vais aller au Mont Fuji, je vais avoir l'air malin. Non, c'est pas ça. Je... oui, bon, bah, du coup, je... Le Mont Fuji. Le Mont Fuji ressemble étrangement à une grotte. Ah, une entrée. Monsieur le figurant, on est bon, voilà. Bah d'abord 4 noirs. Mais j'ai pas envie de taper des gens afro-américains. Ouais mais bon, attends, c'est hyper... Non mais sérieux, c'est quoi cette histoire? Parce que je suis quand même arrivé jusqu'au bout avant la dernière fois, donc du coup, je sais pas. Oui, d'accord. Moi, je pense que c'est un bug. La première fois, tout s'est très bien passé. Non, là, c'est moi qui joue comme une merde. Wow. On se calme. Alors. Salut. Si j'arrive à t'atteindre. Tu ne partiras pas. J'ai pas envie. Où est Iki? Puis évidemment, j'ai jamais mon arme. Je vais pas arriver à tout utiliser. Ah oui. Allez. Bon. 18. Moi je suis voilà. Ah merde, le salaud. Par le point de vie perdu. Choisis le fancy. Bah, point de Pégase. Taillon. Mais pourquoi ils c'est tous des Iki? J'ai réussi! Voici ta tombe, bronze. Là, je veux bien croire que si j'arrive pas à me soigner et que j'arrive pas du tout à faire ce que je dois, ça va être compliqué. Non mais essaye pas de m'imiter mec, tu peux pas. D'accord, j'ai vu la tête de mort, je me suis dit, ça sent le piège. Je sens que ça va être pénible. Est-ce que je peux aller alors faut aller à l'hôpital? Choisis la destination. Ah merde. Du coup, je peux pas retourner. Non, mais je peux pas retourner à l'hosto là.
Bah, du coup, je dois faire quoi? Je dois retourner voir le vieux maître pour qu'il me dise saute dans la cascade et fais-toi mal. Et puis après, je dois. Ça me paraît compliqué. Salut Cirero! Bah écoute, on essaie de comprendre les méandres du jeu. Ce qui n'est de loin pas gagné. On a 5 PV, 7 de cosmos, ça va pas être terrible. Sois comme le dragon, YOLO! Faut quand même qu'on m'explique, j'ai du mal là, j'ai vraiment du mal. Merci, mais je dois me barrer, ok. Bon, ça va, il y a machin. J'espère qu'il y aura des gens à l'hôpital. Ah, merci. C'est gentil. What's up, Doc? Bon, mais du coup, là, je peux battre les vilains. On va cesser 20 PV, je crois que c'est pas. Voilà. Et on va mettre un point en attaque. Le médecin est absent. Bon bah j'en reviens de plus tard. Alors, je vais faire. Quoi de neuf hier? Je sais plus quel bouton c'est pour faire une. Voilà. Allez, on retourne au Mont Fuji. À la grotte du Mont Fuji. Hop, une petite sauvetit. Alors, toc, toc, toc. Ah oui, bon, ok. C'était pas clair. Ah là, bien fait pour toi. What? Oh là là, mon dieu. Alors là, il y a la tête de mort, donc on va sauter par-dessus, voilà. Ça ne sert à rien. Hop là, voilà. Du coup, j'ai récupéré une. Attends, cette fois-ci, je vais quand même foutre mon armure. Libère ton cosmos. Salut, mec. Ah, mais voilà. Trop tard, Seigneur. Laisse l'armure dehors. Trop tard, pourquoi? Il fait super chaud. Ah merde! Le blizzard du mal! Ouh, putain, il va moins de shot ce con. Tu vas perdre. Oui, si je fais le con. Le coup de coco. Bah. J'espère que je vais taper avant lui. Hein. Bon, ça c'est très con comme gestion de. Ah non, le salaud. Le blizzard du mal avec une autre animation. Rien à foutre. Bizarre du mal.
Tiens, bouffe mon coup de poing, enfoiré. J'ai mal. J'ai tout récupéré. Alors, on va en remettre 2-3 PV. On va enlever l'armure. Gare à la défensive. Et on va remettre 2 PV. C'est vrai. Ah, j'ai les épaules et les bras. Très bien. Remettre 2 PV. Ah, mais j'ai plus de cosmos après. Est-ce que je mets des pecs et peurs? Alors, tac. Et retac. Voilà. Alors, j'ai un chat qui est en train de courir après les mouches, c'est très sympa. Exactement, ouais. Tu as réussi, Seigneur. Repose-toi dans ton appartement. Alors là, je veux bien. Quoi de neuf? Je veux bien, mais il faut vraiment que je puisse rentrer à l'appart. Je peux pas rentrer à l'appart. Ou bien si je reviens en arrière là. Bah, je suis bien reposé à mon appart, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis pas épouse. Ou bien j'ai peut-être raté un truc. Faut que j'utilise Select pour avoir d'autres. Choisis ta destination. Non, j'ai rien. J'ai ça, mais je... Voilà. Laissez-moi sortir. Ouais. Je sais pas du tout comment je rentre chez moi. Ouais, ça c'est pas chez moi ça. Ça va être compliqué. Ah non, là c'est où il était de mort. Je vais pas me suicider bêtement pour rentrer chez moi. Du coup, j'ai récupéré quoi? J'ai récupéré encore un truc, quoi. Quoi de neuf? J'ai... non, de neuf. Ben, j'ai quand même que les épaules. Mais non, mais en plus, je viens... Quoi? Oh là là... C'est cryptique. Merde. Ah mais je perds des PV en plus. Mais c'est quoi cet endroit, monsieur? C'est quoi cet endroit? Waouh. Ok, donc c'est pas le même endroit que la dernière fois. Ah, il y a tout qui se ressemble dans le jeu. Je me sens un peu perdu quand même. Allez, je peux rentrer chez moi sinon. Oui, pour certains, uniquement pour certains chevaliers, pas pour tous. Moi, j'aimerais bien ne pas devoir me retaper les trucs et perdre mes pecs, etc. Bah, alors ce qu'on peut faire, c'est ça. Je vais juste encore configurer un truc. Du coup, tac.
Ok, ça marche. Ah, génial. Ah, non, c'est pas par là. Un nouveau color swap. J'espère que je vais arriver dans la grotte du grand maître. Du tout petit grand maître. Ah non, 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 mais je te veux pas, toi. J'ai 7 PV, 36 de cosmos. Je n'ai besoin que d'une seule attaque. Et il sera vaincu. Mets ton armure, du moins. Mets ton armure, ça sera mieux. Libère ton cosmos! Ouais, je suis là-bas. Oui, oui, j'allais juste avoir sur NES Cyril. Je compte le faire une fois. Je suis le plus fort! Salut, Rexaro. Me voici, vas-y. Combat, charge ton cosmos. Alors, là, concrètement, c'est un peu tout rien. Parfait. Mais non, il attaque le premier, le salaud. La fureur du dragon, tu ne m'as pas tué, je vais te pourrir ton existence. Oui, j'en veux encore. Tiens, prends poisson de ta gueule. Bah, il est pas mort, ami. Qui appelles-tu? Shiryu, c'est qui s'est battu contre dragon dans le dessin de Monsieur Shiryu? Ah putain, il a les mêmes. Oh là là! Oh là là, il a les mêmes stats que moi! Oh mon dieu, c'est une cata! Ça me sert à rien de changer ça. Ok. Shiryu, impossible d'être vaincu. Ah ouais, donc en fait, changer de personnage, tout le monde s'en fout. Oh, c'est compliqué. Non, 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 toi, je veux pas voir ta tête, merci. Alors, je vais repartir à l'hôpital et ensuite j'irai me reposer dans mon appart. Ah, ça sert pour les dialogues. Gros niveau de gameplay. Repose-toi ici. Bah, je suis cané, ouais, je m'en fous. Alors, est-ce que j'ai perdu mes augmentations? Je sais même plus ce que j'avais fait comme augmentation. Est-ce que j'ai perdu mes augmentations? Est-ce que j'ai perdu des trucs? Bah, si je me repose, je vais garder un minimum. Ah non, mais je peux augmenter là. Le médecin est absent. Mais pourquoi? Voilà, coup de pied. Et là, je crois que je vais au Colisée, en fait. Ah non. Ah, mon appartement. À côté du médecin. Ça semblerait logique. Repose-toi dans ton appartement. Très bien. Merci. Alors, à moins que je confonde mon appartement... Avec je ne sais pas. Je sens quand même bien que c'est dans mon appartement ici. Bon bah du coup je dois quand même retourner à l'affronter dragon noir. On va y aller joyeusement. Oh là là, j'y comprends rien. Alors, je retourne dans mon Fuji. Est-ce qu'il y a moyen de sortir de ce mon Fuji de merde? Non.
Il y avait un très bon Star Wars et il y avait un très mauvais Star Wars. Il y avait les deux. Bon, là, je suis de taille à affronter n'importe qui. Allez, amenez vos petites fesses que je vous les botte. Bah normalement oui, tu dois pouvoir affronter Iki, oui. Bonjour, on rallonge la durée de vie du jeu et on fait des trucs rigolos avec des gens. Non, c'était ça. Ah, on a perdu des viewers. Oui, mais ça, même en film, il y a si bon Star Wars. Est-ce que par hasard, c'est le 7 que tu n'as pas aimé? Oups. Bon. Peut-être qu'en fait, il n'y a pas de trou avec la tête de mort. Alors, explique-nous en détail pourquoi tu n'as pas aimé Star Wars 7. Explique-nous pourquoi tu préfères la première trilogie à Star Wars 7. Je t'avais pas déjà pourri ta tronche, toi? Tu as réussi, Seiya. Bah oui. Où est l'armure d'or? Et j'ai de nouveau oublié de foutre ma putain d'armure. Est-ce que... les autres ont l'armure automatiquement? Allez, rien à foutre. Je suis un fou. Oh, vas-y, il a deux premiers, machin. Chaîne nébulaire noire. Précisons. Rien à foutre. Prends mon point de Pégase dans tes gencives. Aïe. Je un peu tombe. J'ai tout récupéré. Il me reste le dragon d'art à vaincre. Et ensuite, j'irai voir Iki. Mais du coup, j'ai récupéré... normalement, je dois avoir récupéré le plastron. Techniquement. Voilà, plastron, bras... il manque encore la ceinture. Ah, mais j'ai des pecs, ça me met. Je sais pas où mettre ça... Comme ça. Ah merde! Bon bah du coup on sait que là aussi il y a un trou. Hop, 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 faut que je me dépêche parce que sinon je perds vraiment pas mal de vie. J'étais passé par où pour retrouver... bon, ok. Il était pas en forme, lui. Un peu fatigué comme ça. Ah, tiens, j'ai pas été là. Ce qui ne sert à rien, évidemment. Bah oui, non. c'est tellement satisfaisant. Alors, parce que pour moi, il n'y a pas de film possible. Hop. Ah, voilà. Il a pris les coordonnées de la base de Rebelle. Pardon, la résistance dans l'esprit de Po. Il m'a demandé au contrôle de faire feu avec le plateau de mort. Fin de l'histoire. Un peu pour moi, c'est comment. Thank you.
Est-ce qu'il a interrogé Po? Il a... Merde. Il a jamais eu le temps de l'interroger. Puis Po a une résistance hors du commun. Puis peut-être que la base rebelle n'était... Est-ce que je mets mon armure? Oui, oui, je sens que je vais en mettre mon armure. Peut-être que la base rebelle n'était pas dans le même système solaire. Visiblement, la superstation arrive à tirer, mais dans un endroit relativement restreint du point de vue planète. Peut-être que c'était un autre système. Et qu'ils ne voulaient pas claquer ça, alors que du coup, la République aurait été au courant. Oui, c'est juste, il l'a interrogé. Bon, si je one-shot pas machin, je suis mal barré. Il attaque le premier, salaud. Prends mon coup de poing, j'en ai rien à foutre de ton coup de poing. Tiens, bouffe mon poing de Pégase dans ta tronche. Il est boosté à max. Et voilà, renifle mon camembert. J'ai tout récupéré, encore. Alors, là... Maintenant, j'ai normalement l'armure presque au complet, il manque le casque. Sur le mur déjà. En même temps, les méchants ne considèrent pas la résistance comme quelque chose de très important. Non, épaule, plastron, bras, jambes. Il manque la ceinture et... Ok. Oh là là, et ça a aimé la première, la deuxième trilogie, 1, 2, 3. C'est triste. Mais je suis d'accord qu'il y a des incohérences. Quand même. Attention, je suis pas... Bah, j'aimerais quand même arriver à sortir de là. Hein. Mais je peux pas retourner à la ville, c'est plus rigolo. Donc du coup, il faut que j'aille tout au fond. J'ai vaincu 4 chevaliers noirs. Non, j'ai pas vaincu... J'ai vaincu le Pégasoin. Non, je pense que ça va être là. Ah, mais il y a trop de portes. Oh, mais cette plateforme est là-dedans. Ah, non, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, mais t'es sérieux. Ben, j'ai dû le voir deux fois pour l'apprécier, ce star. Mais non, mais... Ah, ok. J'ai dû le voir deux fois pour l'apprécier, parce que la première fois, j'étais déçu, j'avais beaucoup d'attentes. Et puis, la deuxième fois, en fait, ça s'est mieux passé, parce que j'ai vu vraiment un film. J'ai pas juste vu mes attentes bafouées, en tout cas. Bon, alors, je vous avoue que je sais pas du tout où je suis. Ah, oui, c'est bon. Un platformer dégueulasse. Ne pas rentrer dans les portes. Par contre, ça serait cool si je pouvais retourner chez moi, dormir, ou je sais pas quoi. T'es sérieux, là?
Ben moi j'attends surtout. Oh. J'attends surtout la suite parce que du coup les méchants vont venir. Oui, je me prends des coups de pied maintenant. Kylo Ren va devenir intéressant. Rey va devenir intéressante aussi. Donc je pense qu'il y a moyen d'avoir des trucs vraiment bien. Bon. Ah non, 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 merde! Oh là là, j'ai fait de la merde. Ah, j'ai téléchargé une vieille sauvegarde. En fait, je vais pas faire. Chargement rapide. Ouais. C'est pas ce que je veux. Ah là, je suis en train de refaire de la merde, c'est bien. Oh bah, Oula. Alors attendez, je fais juste un truc parce que là le jeu a complètement frisé. Voilà. Le jeu a complètement pété un câble. Voilà, ça c'est bon. Alors, j'ai rechargé une mauvaise sauvegarde, c'est très con de ma part, mais tant pis. Ça m'apprendra. Du coup, j'ai quoi en stock? J'ai pas battu Dragon, j'ai pas battu Shun Noir. J'imagine. Non. Ouais, de Deus Ex Machina, il a fallu poser. C'est un film qui pose en fait les bases de la suite. C'est dommage en fait, parce que moi j'aime bien quand les films ils font partie de. Ils font intégralement partie d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir vu. De voir la suite pour apprécier l'œuvre. Et je trouve que c'est pas un film complet, du coup Star Wars 7. Mais il faut qu'il pose des bases nouvelles. Et puis, tu peux pas le faire s'il n'y a pas justement un temps d'adaptation. Donc ce film-là a posé les bases de certaines choses, et puis on attend de voir ce que ça donne. Ce film, grosso modo, c'est une introduction. Non, mais je sais pas où je suis. Attention, hop là, petit saut. Et là, y a rien. Ah, je suis de nouveau perdu. Ben, le problème, c'est que George Lucas, c'est pas un réalisateur très très bon. Il est très classique dans ses choix, etc. Et puis, comme il a vu que il pouvait améliorer ses films, il s'est dit, bon, moi, je vais le faire, quoi. Je vais pas me déranger pour ça. Vas-y, que je suis vraiment paumé. Donc du coup, les remasterisations, on est d'accord que c'est pas tout à fait ce qu'on aurait peut-être voulu voir en tant que fan de la licence. Alors, si je me souviens bien, je me suis pété les gencives sur notre ami Dragon qui devrait être par là. Alors, je suis d'accord aussi sur cette idée-là que ce serait bien que ce soit les mêmes qui refassent la suite, mais ce n'est pas le cas.
Voilà. Je, sur le coup, je suis d'accord. Seulement, il fallait quand même arriver à mettre. Alors, on va booster l'attaque à fond. On va booster ça. Bon. Il attaque le premier. Non ! Coup de poing ridicule. Tu en veux encore? Oui, j'en veux. Tiens, prends mon poing dans la tronche, espèce de salaud. Ah, bon, bah au moins ça s'est fait. Oui, non, on est d'accord qu'il y a un certain nombre de choses qui sont très moyennes, mais... dans l'ensemble, moi je trouve que c'est un bon film quand même. Et j'attends vraiment la suite avec impatience. J'espère qu'ils vont faire quelque chose de bien. Après, s'ils font de la merde, ben, je vais pas être content. Ça, c'est évident. Montons de niveau. Comment on peut abuser d'un Stormtroopers? Oh là là. Ils ont pas de cœur, ces gens. Qu'est-ce que j'augmente? Moi, je suis prêt. Comment ça, je bourre? Bah non, je joue Seyar. Au final, il fait tout le temps la même chose. Hein. Il a trois attaques, le pauvre. Il est bien obligé de se défendre comme il peut. Hein. Bon, enlève-moi mes PV, machin, que je puisse retourner à l'orphelinat et tout le temps. Allez, j'ai un PV, ça va être bien. Attention, je choix. Ah merde. Je croyais que c'était un vrai truc. Non mais, ce qu'il faut aussi retenir dans Star Wars 7, c'est le retour de la force, dans le sens que c'est le retour d'une... C'est le retour de la force dans son sens premier, c'est-à-dire une espèce de religion, une croyance, quelque chose de fort dans la mentalité des gens. Pas juste un outil comme dans la trilogie 1, 2, 3. Où je trouve que là, ils ont fait quand même des efforts pour redonner une identité à la force. Pardon, petit souci fait là. Bon, je suis carrément perdu, là, c'est la fin du monde. Je veux rentrer chez moi, je veux voir ma maman. Ah non, je suis orphelin. Je veux voir ma soeur. Ah non, elle m'a foutu, elle m'a laissé tomber. Je veux voir Marine. Ah bah non, elle va me tabasser. Ah, je veux voir... Je sais pas qui je veux voir, mais je veux plus voir ces méchants. Je veux voir l'infirmière. Ah bon, ça c'est fait. Mais non, mais arrête de m'arraver, je suis mort. Ok. Ok. Est-ce que j'ai gardé des trucs? Donnez. Ah, mais putain, il faut de nouveau que je me batte contre ces cons. Est-ce que je peux encore rester là, ma... Oui, je sais que je devrais rester ici. Mais voilà, je ne peux pas. Oui, on est d'accord, c'était vraiment très cool comme passage. Non, je suis d'accord que Lucas, quand il a décidé de faire des trucs à sa sauce, c'est pas terrible en fait. Non, la force a une identité dans le 1, 2 et 3. La force, elle est utilisée par Qui-Gon, Obi-Wan, tout le monde, pour faire des trucs de dingo. Mais c'est pas tout à fait la force. Ah bah je suis chez moi. Ah bah ça me sert à rien d'être chez moi. C'est pas tout à fait la force. Dans le...
Dans le 4, 5, 6, la force, elle est présentée comme une... quelque chose de plus que simplement pouvoir bouger des objets, quoi. Mais je vais m'en poser, oui, parce que c'est de la merde. Et c'est ce que j'aime, c'est que la force dans le 7, elle est de nouveau présentée comme une... quelque chose de mystique. Pas juste un outil dégueulasse que tout le monde peut s'amuser à utiliser pour balancer son sabre laser ou je sais pas. Bon, alors. Mais je sais bien que le médecin il est impuissant, madame. Merde, c'est pas ce que je veux faire. Et du coup, c'est pas une facilité d'écriture. Bah oui, c'est pour ça qu'ils disent que la force soit avec toi, c'est vrai. C'est pas une volonté de fainéantise de dire ouais, non, mais de toute façon, c'est la force, ta gueule, c'est magique, quoi. Il y a vraiment une volonté de remettre la force dans un esprit de. De force, je dirais. D'espèce de choses intangibles qui existent partout dans l'univers et qui régit un peu le monde. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très cool. Parce que bon, ce que Lucas a fait avec le 1 et le 2 et le 3, c'est mettre des effets spéciaux partout. Alors c'est pas dégueulasse, on a des scènes qui sont vraiment géniales. Mais c'est plus tout à fait Star Wars. C'est un film de science-fiction dans l'univers de Star Wars. Il n'y a pas toute la mythologie autour de Star Wars. Qui s'est justement créé à partir du 4-5-6. Je veux dire, quand Dark Vador étrangle l'officier, il dit bien « Votre manque de foi me concerne ». Parce qu'il parlait de la force, donc la force, tu y crois. Et c'est ça que j'aimais bien dans le set, entre autres. Après bon, il y a des trucs qui me semblent relativement incohérents, dans le sens où... Finn et Poe se rencontrent pour la première fois, et du coup, ils deviennent méga potes. Comme s'ils avaient gardé les moutons ensemble toute leur vie, quoi. Alors, est-ce que je dois rebattre monsieur Ryu, Shiryu? Monsieur le chevalier noir, vous êtes où? Ah, je dois pas rebattre. Donc il faut que je retrouve Sean, en fait. Ça pue. Ben, il fait référence à la force, effectivement, quand il parle de son ancien maître, mais c'est une des rares références. Et j'ai plus senti que c'était une référence dans le style outil. Ouais, je vais me casser la gueule. Dans les styles outils utilisés pour justifier son histoire à ce moment-là, que vraiment une réelle croyance. Il parle d'un maître de pouvoir, il parle pas d'un maître qui croyait en la force. Moi j'ai pas assez l'impression. Là. Mais le combat au sable laser, au final, je veux pas dire que c'est qu'une question de dextérité, mais quand Luke utilise la force pour tirer ses deux missiles dans l'étoile noire, c'est le même principe, hein, il découvre la capacité d'utiliser. Rey, à la fin, elle découvre sa capacité à gérer un petit peu mieux le combat, et puis elle retrouve un petit peu courage, espoir et tout le d'accord. Ouais, tu parles du moment. Je vais y arriver. Tu parles du moment où. Où ils sont au Sénat et où Anakin s'assied à côté de lui. Enfin, il lui raconte l'histoire de Dark machin, là. Oups. Ouais, mais il peut avoir massacré les Jedi 2.
Ouais, justement, il fait. Là, j'ai plus l'impression qu'il parle d'une personne de pouvoir et de puissance en contant son histoire. Pas vraiment d'une personne hyper. Entre guillemets. Mais putain, je tombe tout le temps dans le même cirque. Cycle, pardon. Hyper. Religieux. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de religieux dans sa façon de décrire, là, de décrire les choses. Pas de religieux. De respectueux envers cette force toute puissante. Bah, Qui-Gon aussi, quand il explique à Anakin enfant qu'est-ce que la force. Après, massacrer les Jedi de Luke, c'est pas tout à fait le cas parce que d'après ce que j'ai compris, les chevaliers de Ren, c'est une partie des Jedi de Luke, justement. Qu'il a réussi à retourner vers le côté obscur. Witch, allez, avance. Ah merde. Oh là là. Dépêche-moi. On est obligé de recommencer là, monsieur. Monsieur le jeu. Oh putain, j'étais en train de te lire, j'ai pas vu le trou. Ah mais non, je veux pas mourir là. Bah, est-ce que il a vraiment brisé un contrôle de la télékinésie? Il s'attendait peut-être pas à avoir un télékinésiste de l'autre côté. Je crois en plus Kylo Ren, il est quand même méchamment blessé. Il vient de tuer son père, donc voilà. Enfin, il y a plein de trucs qui font que. Je trouve que c'est possible que Rey puisse. Utiliser la force de cette façon-là. Et on a vu que Anakin était capable de. Mais évidemment, c'est un cul-de-sac, chier. Anakin était capable d'utiliser la force pour conduire les pods. Peut-être que Rey, qui est une maître Jedi du sabre laser, de la mort qui tue. Bon, je monte des PV quand même parce que je vais bientôt. Que je voulais donner. Oui, parce que justement, il n'y a pas du fait. Alors, attends. Effectivement, on pourrait voir ça de cette façon-là, sur ce. Sur ce point de vue. Mais je reste quand même persuadé que dans la dans le 1, 2, 3, la force n'est pas utilisée comme une religion, mais bel et bien que comme un outil. Puis on y va, on balance des scènes avec des éclairs, du chenille et du machin. Donc je trouve qu'il y avait quelque chose de plus mystique autour de la force dans le 406. Oups. Puis le problème aussi, c'est que pour bien comprendre le 1, 2, 3, il faut regarder les Clone Wars, il faut regarder les trucs qui sont faits entre le 2 et le 3. Et ça me fait chier. Ça, sincèrement, ça m'énerve. Je suis en train de péter une durite intérieurement parce que j'en ai marre. Ben, ils ont une longueur d'avance dans la forêt, en même temps je te dirais qu'ils ont pu tourner en rond.
comment dire ça? Les données géographiques sont assez floues, je trouve, sur la station. Bon, je peux retourner à la ville, là. Mais je peux même pas sortir de là, hein, en fait. C'est vraiment la cata. Hein. Bonjour Eliadil. Mais oui, je suis crevé, forcément, je tourne en rond. Oui, je suis crevé, j'ai une journée fatigante. Puis il fait chaud à mourir aussi. Alors, Bah, il se tape le flanc pour faire croire qu'il a pas mal. Hein. Après s'être pris un tir de blaster, tu m'excuseras, mais voilà. Allez, on retourne au mont Fuji et on essaie de trouver cette espèce d'enfoiré. Degrés en classe, ça doit être chaud bouillant quand même. Ça s'est bien passé la rentrée. Mais c'est quoi ça? Oh, monsieur! On n'arrive pas sur les gens comme ça, sans prévenir. Ben justement, je trouve que les midi-chloriens apportent un côté qui fait que c'est trop scientifique. Il n'y a plus la croyance dans la force. T'as un fait scientifique... mais putain, il tombe et il me tape. T'as un fait scientifique avéré. Et du coup, ça change la dimension de la force, je trouve. Mais t'es qui, toi? Attends, je vais remettre des PV, parce que... J'attends. Hop. Ok. 17 PV. Ah, mais je peux pas. Non, je vais pas mettre ça. Non. Ah, mais je peux, en fait, diminuer les trucs au fur et à mesure. Comme on a tout dit. Mais c'est bien les cheveux blancs. C'est la preuve d'une intelligence supérieure. Bon, je vais augmenter ça, je sais toujours pas à quoi ça sert, mais j'aime bien. Allez, enfilons notre armure et massacrons des vilains. Fainéantise d'écriture, on balance des scènes cool à la figure, parce que le film est beau, c'est cool. Oui, ça, je ne peux que te donner raison. C'est vrai que le liant du film est pas très très solide. Ah, mais voilà, tu m'as enfin trouvé. Bah, arrête de te foutre de ma gueule, connard. Salut Dark. Bah, il peut quand même mesurer le taux de midi-chlorien. C'est pas rien non plus. Et le froid, c'est pas une religion. Enfin, je sais pas. Allez, le point de Pégase. Alors, je suis dans une grotte, hein, quand même. J'ai tout récupéré. Oui, Ginette. Allez, hop. On enlève l'armure, et je ne suis pas tout nu. Par contre, faut aussi dire qu'à l'époque, ils portaient des leggings hein, sous leurs armures. C'est pas terrible. Donnez-moi une justification, allez. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont donné... Ouais, c'est vrai.
Ils ont donné en fait Ils ont donné une dimension mesurable à la force. C'est plus comme. Qu'est-ce que je voulais faire, moi? Je crois que c'est ça. C'est plus comme avant où c'était un truc pas vraiment mesurable. Là, ils ont vraiment donné la capacité de mesurer ton taux de midi-chlorien. Du coup, je trouve que ça casse un petit peu le côté religion et croyance. C'est pas un mal, mais en soi, c'est toujours le débat science-religion, quoi. Tu ne peux pas m'échapper. Si je tombe là, je... Merde. Si je tombe là, je merde. Oui, c'est effectivement le cas. Je vais me recaisser la gueule, en soi. Bon, j'avais trouvé Sean la dernière fois. Alors, si vous voulez me dire où il est, vous pouvez. Hein, parce que là, je vais décéder. Par contre, j'ai plus de cosmos. Je sais pas, moi j'aimais bien le côté mystique de la force et j'étais content de le retrouver un petit peu. Bon, on savait que la force se calculait en midi-chlorien. Enfin, tu le savais si t'avais fait un peu les univers étendus de Star Wars. Mais du coup, c'est vrai que... Bon, avoir une vision très lucassienne de ce qui se passe, c'est pas... Je pense qu'on y aurait gagné s'il avait continué à demander des conseils à d'autres. À d'autres réalisateurs pour ses films. Oui, je sais bien qu'elle a été rayée du canon officiel, mais en attendant, ils ont quand même gardé des trucs. Ah, ok. Je veux dire, même si ça ne fait plus partie du canon, l'univers étendu existe toujours et influence, qu'on le veuille ou non, influence la pensée des fans. Je veux dire, t'as pas de... C'est pas possible autrement. Bon, alors moi, je vais aller chez Mu. Je vais me faire péter la gueule. Je vais revenir... Enfin, je vais tomber dans le trou, parce que... Chez Mu... je vais... Voilà. Ne me demandez pas ce que c'est, ces machins. Aïe, j'ai tout capté. Ah, t'es tombé. Ah, je suis tombé. Voilà. Tu devrais rester ici. Ah bah... J'ai que ça à foutre, tiens. Bon, allez, hop, c'est reparti. On va rechercher de nouveau l'hôpital. Non, c'est pas là. Puis quand le 1, 2, 3 est sorti, fait par Lucas, l'univers étendu était toujours valide. Donc du coup, ça n'a pu que influencer... What's up, back? Denis. Oui, il y a cette histoire-là. Bon, il y a plusieurs... Il y a plusieurs... branches possibles dans l'univers après. Ah, j'ai 8 ans de PV. J'ai augmenté quoi pour augmenter mes PV comme ça?
Non, quoi, le plastron? Mais c'est la constite que j'augmente pour... Peut-être ça, en fait. Peut-être la constitution qu'il faut monter. Mais je sais que le médecin, il est absent, il est parti manger... Bah, à partir du moment où ça influence, il y a quand même des choses. Et puis, c'est vrai que la trame n'est pas identique à celle des bouquins qui ont... qui donnaient le 7, en fait. Alors, qui est la meilleure? Effectivement, mais c'est plus une question de goût, je pense. Mais voilà, ils ont aussi la possibilité d'en faire ce qu'ils veulent en soi, la suite. Alors, on peut avoir peur parce que c'est Disney. Oui, ça a inspiré, mais rien ne dit que c'est le cas. Et puis... Bon, après, il y a plein de... Il y a plein de théories de fans, etc. qui sont développées. On aura la réponse que dans le 9, d'après ce que... ce qu'on a... D'après ce qui a été communiqué. Donc, voilà. Mais il est où, ce Sean à la con, bordel? Enfin, ce Sean noir. Andromède noir. Ben ça, ce serait tellement cool. Ça, ce serait bon. Parce que ça voudrait dire qu'il est encore plus balèze que Palpatine. Le Gungan noir. Oui, dans l'histoire, effectivement, il y a cette histoire de dualité avec les jumeaux, etc. Et ce sera peut-être le cas. Maintenant, il semblerait que la gamine ait été abandonnée à 3 ans. Ça me paraît quand même bizarre que son père, là... Enfin... Enfin, il y a plein de choses comme ça où c'est une possibilité, hein. Je ne mets pas en doute cette possibilité. Mais bon, pour avoir déjà discuté, je pense, plus de 48 heures sur les hypothétiques suites, c'est vrai que je suis un peu fatigué, alors du coup j'attends la suite avec impatience. Mais je ne sais pas. Et puis aussi, dans un sens, ça voudrait dire que Disney va garder l'univers étendu. Serait quand même un peu couillon, vu que c'est même eux qui ont dit c'est eux qui ont dit qu'ils voulaient plus d'univers étendu. Donc, du coup... Bon, ça fait 1000 ans qu'on tourne, j'espère vraiment qu'il y a un truc là, parce que j'en ai marre. Surtout que je me concentre pas plus que ça, parce que je lis le chat et je discute Star Wars alors que je... Ah, t'es qui? T'es qui, toi? T'es le fils à qui? Revêtons l'armure du Pégase. Libère ton cosmos et mange du riz, c'est bon pour le transit. Ah, bonjour, Sean. Où est l'armure d'or? Il dit pas bonjour, mec. Tu vas goûter de mon poing redoutable. Je bourre. Choisis l'offensive. Coup de poing de la mort. Traduction dégueulasse. Sans mon reblochon. J'ai tout récupéré. Allez, on enlève l'armure parce que ça ne sert plus à rien. Ce menu est horrible. Du coup,
j'ai récupéré tout sauf le casque, normalement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me re-téléporter au début et aller toujours tout droit. Voilà, épaule, plastron, bracelet, ceinture, j'ai tout. Donc, je me re-téléporte au début. Et je vais toujours tout droit, là où il m'a dit, il faut que tu moissonnes les mecs avant de venir me trouver. Ce à quoi je dis, ok. Le Mont Fuji. J'avais pas vu l'Andromène être en train de changer de double. Mais effectivement. Moi je dis qu'il y aurait la sœur de. Ok. Qui va nous confirmer un combat sur une passerelle. Alors de toute façon, les combats sur les passerelles, voilà. Bon, Killoran m'a déjà demandé de rejoindre le côté obscur. Bref. On peut avoir droit à la... S'ils font ça... S'ils font ça, je pense que je vais rigoler, mais dans le fond, je vais pas aimer. Ah, Ikki. Armure. Libère ton cosmos. Alors, est-ce que j'ai assez pour lui faire deux attaques? Pas tellement, en fait. Ah, te voici, gamin. Pégase, étoile filante. What? Pour vous servir. Merde, putain. J'ai cliqué. Choisis la défense. Ah bah, tiens, je peux choisir une défense. Je me casse. Le battement d'ailes. Putain, il rigole pas, machin. Le petit coup de poing. Il n'a aucun effet. Ah bah merde. Si j'avais su. Bah je vais bourrer le premier coup, on va éviter de mourir comme un cliqué. Choisis l'attaque. Tiens, bouffe mon coup de poing, tu vas voir s'il a pas d'effet. Espèce de poulet. Choisis la défense. Ah merde. Ça a pas l'air de l'avoir fait. Esquiver le battement du poussin. Voilà, 5 points de dégâts, ça va aller. Le battement d'elle, faut quand même déconner. 12. Je vais mettre de la vitesse. J'espère que je vais le battre. Ah merde, j'ai mis trop de points. Attends, je suis à combien là? 21. Bon là. Merci. Pégase, poids de comète. Je meurs. L'armure sacrée complète. Je vais aller voir Saori. Alors, maintenant, pitié. Dites-moi que je peux quitter la scène. Pitié. Pitié. Merci. Bon. J'imagine qu'il est toujours dans le même putain de salon. Ah, mais attends, j'ai pété de l'expérience, là. What? Qu'est-ce que tu veux, mon petit? On a fini. Merci. J'espère que c'est moins labyrinthique après. Alors, on va mettre là, là, là. C'est quoi, 15 points? De toute façon, je pourrais en mettre. Hop. Allez, c'est... Le manoir de l'angoisse. Merci, Tanda. Ah, mais merde! Mais elle est pas là, de nouveau, cette conne. Elle est où? Oh. J'ai l'air de me retaper tout le manoir, bordel. Oui, Killoran, c'est...
C'est sujet à débat. D'ailleurs, à la SGDQ, ils ont essayé de faire passer le nom du speed, enfin le nom du personnage de speedrun de. Comment? Ah, ça va. Tu as réussi, Seigneur. Repose-toi dans ton appartement. Ce dialogue-là, on est d'accord que je l'avais vu avant. Bon, normalement, si je me souviens bien, du coup, je devrais me battre contre un chevalier d'argent. Impossible d'aller ici. Bon, ok. Mon dieu, mais... Attends, je peux aller devant, là ? Ouais, ce dialogue-là, je l'avais eu avant. Je comprenais pas qu'est-ce qu'il foutait au milieu. Donc, oui, il voulait l'appeler Kishloren à la SGDQ, mais c'est pas passé. Le personnage de KOTOR pour le speedrun. Ça, c'était pas mal. Oui, j'ai sauté. Oui, est-ce que j'ai encore des mobs à buter, bordel? Est-ce qu'ils ont pas bientôt fini de me casser les couilles, tous ces cons? Bah oui, mon appart est à côté de l'hôpital, tout va bien. Bon, j'ai moissonné la tronche de tout le monde, c'est parfait. Repose-toi, ici, Seiya. J'ai toujours 80 PV. Okay. What's up, Doug? Remonter mon cosmos. Un chevalier d'argent, c'est un petit zizi, 30 PV, c'est l'argent brassé. Va au parc, à bientôt, signe. Signe et signe. Bien. Est-ce que je peux me téléporter au parc? Oh, bon. Je crois que je vais plus vite en passant par là. Ah non! Un sournois galopin! Ah, il est là. Ouh la vache. T'es quoi? Ah non, il n'y a pas une confrontation avec... avec le lion, avant. Libère ton cosmos. Normalement, si c'est scripté, je dois me faire maraver. Oups. Excusez-moi, monsieur. Tu es pris au piège. C'est toi, Docrate. Quoi? C'est quoi ce nom de merde? Cherche ton cosmos. Ah oui, non, c'est juste, il y a encore des... Ouais, je commence à me souvenir un peu de ce truc-là. Choisis l'offensive. Tiens, bouffe mon coup de poing. Choisis la défense. Il est grand. On se barre. Météore d'Hercule. Hein? Tu crois me faire peur, mon petit poulet? J'en bouffe un comme toi tous les matins. Il attaque le premier. Rien à foutre. Oui, c'est juste, oui. Docrate. Ah, mon dieu, du reblochon. J'ai réussi. Comment il meurt comme une merde. J'ai réussi. Bon, alors du coup, qu'est-ce que je fais? Je rentre chez moi. Gare à la défensive. Voilà. On va refaire un petit tour à l'hôpital.
Ça fait 2 heures que je joue, j'ai tourné en rond pendant 2 heures dans ce putain de mon Fuji de merde. Oh là là. Je suis grossier, je devrais pas être aussi vulgaire. Donne-moi. Alors, je sais pas ce que fout mon chat, mais j'apprécierais, mademoiselle, que... Allez, hop, fous-moi le camp, voilà. Qu'est-ce que je vais augmenter? Bloc. Couette. Voilà, et puis... Je sais plus où j'avais lu qu'on pouvait revêtir l'armure du Sagittaire. Repose-toi ici, Seigneur. Ah oui, c'est très bien. Tiens, je te passe dessus pour te remercier. Hop. Witch. What's up, Dak? Denis, on va rebooster le cosmos. Si on regarde 40 PV. Ouais, il me semble que c'est à ce moment-là dans l'histoire qui se rend compte que Saori est vraiment la réincarnation d'Athéna. Est-ce que je peux roupiller? Ouais, ce plumard ne sert à rien, laissez-moi dormir. Visiblement, les chevaliers du Zodiac ne dorment jamais. Choisis la destination, Guido. Oh, Jean-Roger, Seigneur, Saori est captive. Question, ami, quoi? What? Question, ami, armure d'or? Armure d'or? Dans le planétarium. Monsieur, j'ai une question. Déjà, un, est-ce que vous êtes complètement con? Deux, il est où le planétarium? Ok. Je reste quand même particulièrement dubitatif. Bon, mais plus j'y pense, plus je me dis en fait que les doublages, enfin les doublages français ont dû avoir une contrainte extrêmement pénible, c'est la place disponible pour mettre les caractères. En japonais, tu peux écrire beaucoup plus en... Oui, merci. Question, ami, bah du coup on va prendre ami. Hein. Pour chasse les ennemis. D'accord, merci. Allez, c'est la pièce avec l'écran. Très bien. Mais du coup, je disais que je pense qu'avec la traduction, ça a dû être très compliqué de mettre en si peu de caractères ce qui pouvait être dit en japonais. Mais attends, je viens de fouiller toutes les pièces, il n'y a rien du tout. Non. J'en ai raté une. Oui, non, je sais, c'est bon, merci. Non, mais ça m'intéresse pas, armure d'or. Parce que si je fais ça, je vais avoir accès au planétarium. Ah, bon, ben on va rester chez Kido. Exactement. Ami. Si on fait le coup d'une porte cachée, je pense que je pète une durite. Hein. Mais non, c'est pas ça le problème. Mais non, il y a rien. Planétarium. Oh, pas de soucis. De toute façon,
dans ce jeu-là, il faut chercher. Mais bon. Bah écoute, on va aller dans la ville. Dans le planétarium. Oui. Il est où ce putain de planétarium? Ah, Shiryu. Zut, je l'ai manqué. T'as manqué quoi, ton bus? Qu'est-ce que t'as manqué, mec? Perds-moi, Shiryu. Est-ce que j'ai du coup accès au Toubib encore une fois ou pas? Non, je vais pas. Je vais voir. Est-ce que j'ai accès? Le médecin est pas. Ah oui, j'ai bien fait. D'accord. Bon, là, je vais chez moi, je vais à la marina. Le planétarium, il est pas à la marina. On est d'accord. Et si j'avais fait une petite sieste? Toujours pas. Ok, donc là il y a l'orphelinat, très bien. C'est exactement ça, Shiryu. Ça c'est pas un planétarium, ça monsieur. Bon, de toute façon là j'ai déjà eu mon petit combat rigolo. Ok, bling. Par contre ces arbres c'est quand même chelou. Oups. Ah merde. Hop. Là je retourne chez machin. Alors, Shiryu m'a indiqué qu'il l'avait manqué. Très bien. Shiryu n'est plus là, donc il doit avoir eu son bus. Non mais ça va être une porte à la con par là. Ça c'est le Colisée, c'est pas le planétarium. Ce jeu est cryptique mes amis, ce jeu est cryptique. Bah non, je vais chez moi. Dans le planète, peut-être qu'il faut que je fasse un jeu de piste à la con avec tous les... les autres boulets. Alors, bah, s'il l'a manqué, c'est qu'elle doit être dans cette direction. Ou alors j'interprète vraiment trop. Oh mon dieu, c'est compliqué. Bon, en même temps, j'ai pas un milliard d'endroits où aller chercher. Moi aussi, il me semblait que le planétarium dans... Ah oui, d'accord. Il me semblait que le planétarium dans le... C'est clair. Et Sean est en train de se demander si c'est justifié de se battre ou pas. Moi aussi, il me semblait que le planétarium, il était dans le... Chez Kido.
Là, c'est le parc. Si je vais au fond du parc, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté ? Parce que j'ai pas été au fond. Ah, bonjour. Non, mais y'a rien. Bon, qu'est-ce que j'ai pas encore visité ou qu'est-ce que j'ai pas encore rempli? Est-ce qu'il faut que je mette l'armure d'or? Libère ton cosmos, ouais, je sais, c'est bon, merci. Bon, j'ai pas l'armure d'or. Je dois bien admettre que là je suis un peu perdu. Non, non, me parle pas. C'est clairement ça. Vraiment, le... Va te faire foutre, ça m'intéresse pas ce que tu me racontes. Et c'est tellement bon. Mais le planétarium... Aide-moi, vieux Jedi. Guide mes pas jusqu'au planétarium. Oui, je sais, je cherche toujours les toilettes, monsieur. Mais c'est vraiment dans le planétarium, trois petits points quoi. C'est vraiment va te faire foutre en neuf. Tu connais les lieux des merdatés. Mais. Regardons un mur bleu. Oui, je connais absolument par cœur tout ce que Stat Alchimiste a fait sur Saint Seiya. Je me les retape régulièrement. Et c'est tellement, tellement, tellement bon. Ah mon dieu. Ils ont été enlevés de YouTube, mais tu peux les retrouver en téléchargement et autres. Mais, oh là là. Bon, il y a un truc entre ces deux statues. Non. Shit. Non, c'est vraiment très, très, très bon. Bon, il a mis un million d'années à... What the fuck? Alors attendez, c'est quoi ce mur de merde? Saori, ma fille, je dois dire, tu réincarnes Athéna. Mais je suis pas Saori, monsieur. Saori, elle s'est fait tuer. Combat Arles, le mauvais. Putain. Ainsi, Saori sera Athéna. Oh putain, mon cosmos, il vient de prendre. Oui, il sort sur les comics, ouais, j'ai vu. Et c'est aussi super bon. Ok, mais... Sérieusement, c'est indiqué où? Non mais... C'est indiqué où il faut passer? J'ai un peu mal à mon séant, là. Ça me trouve le fondement, comme on dirait. Bah du coup, je vais mettre des PV, hein. Salut, Emrosali. Bienvenue dans l'enfer de Saint Seiya sur NES. C'est de la merde. Je ne comprends pas le jeu. C'est de la merde. Je ne comprends rien. La 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 la. La 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 la. Et maintenant, je dois aller où? Va au Colisée, Seiya. Ok. J'y vais, gros. Pas de soucis. Allons, Colisée.
Ah non, mais il y a plus cryptique que Zelda 2, très clairement. Hein. Tu joues à Castlevania 2. Castlevania 2, c'est encore plus cryptique. D'ailleurs, je pense que je vais le faire. Je l'ai déjà fait étant plus jeune et j'ai recommencé étant plus vieux. Alors, je vais en mettre l'armure parce que voilà. Mais Stat Alchemist fait vraiment des trucs incroyables. C'est vraiment quelque chose de très 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 bon. J'aime énormément ce qu'il fait. Salut, le retour de Pangolin masqué. As-tu eu l'armure d'or? Non, je l'ai laissé chez moi. Oui, je l'ai. Bah, deux coups de poing dans ta gueule. Attaque le premier. Non, le météore d'Hercule. Bah, le météore d'Hercule, j'ai un petit peu rien vu. Le coup de poing de Seyar. Allez, on remet ça. Bah, c'est vrai que c'est très fidèle à la série, hein. Finalement, il spam le météore et puis voilà. Il attaque à nouveau le premier, le météore d'Hercule. C'est un courant d'air ton truc. Tiens, bouffe mon reblochon. Sale enfoiré. J'ai réussi. Bah oui. Et maintenant, je fais quoi? Je retourne voir Savory. Ah, oh, vomité. J'enlève mon armure, il fait chaud dessous. Gare à la défensive, très bien. Ah non, 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 il faut que je passe au... à l'hôpital. Le mec, il apparaît dans mes points. Wing, 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 wing. Tu veux te battre, petit? Ah là, tiens, tu fais pas le poids. Misérable. alors. Oh, mais pitié. Arrêtez-moi cette intro. Et je vais mettre mes pecs aussi. La 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 la. Qu'est-ce que je me attaque? Je sais pas. 16-32, 1932. Repose-toi ici. Bah, justement, j'étais un petit peu fatigué. Oh, toi là-bas! Prends mon mouchoir de poche de la tronche. Oh! What the... Qui êtes-vous? Vous êtes très moche. Si c'est... comment il s'appelle? Hydre. Ah non, c'est un méchant. Ah mais non, voilà, oui. Enfin, te voilà, Seyar. Où est Saori? Bah, répondez surtout pas entre vous, hein. La politesse élémentaire, tout le bataclan. Non mais, ah, cette scène-là est tellement parfaite. Il attaque le premier. C'est quoi cette espèce d'homme poisson? On dirait Aquaman mal fait. Mon disque t'atteindra! Ou pas. Point de Pégase dans ta gueule. Ouah, c'est moche. J'ai réussi. On va l'avoir à chaque fois, celle-là. Bon, bah, ça tombait bien. Il y avait l'hôpital juste à côté. C'est reparti pour un tour. Gare à la défensive, merci. Je suis pas blessé, mais par contre, je vais me blesser volontairement pour réaugmenter ma puissance cosmique. Du coup, si vous pouviez me soigner, monsieur le docteur, ce serait cool.
Bim, 31 XP, qu'est-ce que j'augmente? PA, je peux pas, bah, je veux compter la défense. 15 specs, ah merde. Repose-toi ici, vas-y. Hop. Attends, non mais viens là mec, j'ai besoin... Monsieur! Merci. Ça tombait bien, j'avais besoin de... J'ai besoin d'un pex. Il a fait aussi des trucs sur Yu-Gi-Oh! Et Bleach. Parce que j'ai vu des choses, mais j'étais pas convaincu. Le petit Switch, quand ils sont, c'est terrible. Witch. Ah bah j'ai regardé ça parce que ça vaut la peine, je pense. Moi j'ai pas vu Bleach, mais... Par contre j'ai vu Leo, alors du coup ça va être bien. Saori, es-tu saine et sauve? Je sais pas pourquoi, mais je la sens pas. Saori, tu n'es pas là. Monsieur le majordome n'est pas là non plus pour me dire où aller. Saori, tu n'es toujours pas là. Saori, merde. Ah, des trucs Yu-Gi-Oh sur le paquet. D'accord, bah j'irai regarder ça. Mais j'ai dû voir alors Yu-Gi-Oh. Saori, tu n'es pas devant cet écran bleu, mais il y a peut-être une porte cachée en fait. Non. Enfin, peut-être de l'autre côté. Non. C'est quand même bizarre, Saori, la réincarnation d'Athéna, il y a plein de déesses Athéna dans sa... Enfin, c'est un mélange entre une cariatide et une déesse Athéna. Bon, visiblement, je dois pas aller là. Il y a des chances que j'aille chez moi, du coup. Saori, es-tu au planétarium? Non. Saori, sincèrement, tu m'emmerdes. Et puis, c'est toujours cette bourdasse qu'il faut sauver. Mais justement, à la fin de... À la fin de Statachimiste... Oh, on ne nous y reprendra pas à deux fois. Ah, ben justement, il y a un jeune homme qui souhaiterait vous inviter à votre... À son anniversaire. Ah bah avec joie. Comment il s'appelle déjà Poséidon? Je sais plus. Oh mon dieu, qui es-tu? Tu es une ombre dans la nuit. Fort, j'ai quand même mal aux fesses. Libère ton cosmos. Bah je vais pas libérer mon cosmos, je vais juste essayer de rattraper l'autre... Mais... Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Ah mais il donne des pecs, machin. Ah mais c'est juste un lambda quoi. Bon. Est-ce que je saute plus haut? Ah oui, carrément. Oh putain. Wouah. Cheval. Ouais mais en même temps, voilà, hop, retrouver votre princesse égarée, c'est un petit peu dans beaucoup de jeux pour moi. Il essaie de me trouver trop. Ah oui, je... Oui, d'accord. Mon dieu, la marina, il se passe quelque chose, il y a des mecs qui spawnent au milieu du bar, mais... Ouah, c'est moi en blanc. Va au diable. Bah ok, laisse-moi partir. Chevalier d'argent. Eh, t'as de la thune, mec. Choisis l'offensive. Bah je vais te bourrer. Alors, est-ce que le chevalier d'argent est à la hauteur de sa réputation? D'où tires-tu ta force? Ce qu'il veut.
Le lézard démoniaque. Oh putain, c'est une bonne attaque. Change ton cosmos. Il attaque le premier. Choisis la défense. Yves, pardon. Le lézard démoniaque. Ça me passe au-dessus quand même. Hein. Excusez-moi, je fais juste... un petit message. Allez. Le point de Pégase, une deuxième fois dans ta tronche. Est-ce qu'il va survivre à deux attaques? Oh, non. Loupé. Ah, je décède. J'ai réussi. Encore. Dites-moi s'il faut que je fasse. En fait, j'ai pas besoin de mon armure. Je suis toujours barlaise. Gare à la défensive. Blablabla. Si j'allais me reposer dans mon appartement qui ne sert à rien, juste à me laisser des petits mots de la part de Yoga, qui va... viens chez moi ce soir, mon ami. Non, 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 oui, non, non. Je passe plus de temps dans les menus qu'à jouer, quoi. C'est une affreuse. C'est une affreusité. Non, je ne bourre pas. C'est pas moi. Vous, là! Ah, excusez-moi. Mais... t'es qui, toi? Tu n'iras pas plus loin. Mais je vais te ramasser, mec. Je sais pas qui t'es, je sais pas ce que tu veux. Présente-toi. Tiens, bouffe-toi ça. Et encore, je suis sans armure, gros. Ah, oh, tu m'as vaincu. Ah bon, bah si t'es vaincu, pourquoi tu continues? Massue d'enfer! Au moins je perds pas de PV. Il attaque en premier. Non, le salaud! Massue d'enfer! Je sais pas ce que j'ai bourré pour ne subir aucun dégât. Vas-y, bim 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 bim, tu souffles là. Ah, je meurs. J'ai réussi, sans armure. Monsieur a raté de me suivre. Enfin, je vous avais prévenu. Ah, allons faire un tour à l'hôpital. Mais avant ça, répartissons mes points de vie en cosmos. Ils ont traduit casque en couronne. Toujours pas à quoi ça sert tous ces trucs. Mais... ouf. Repose-toi un peu. Allez, sans PV. Oh, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, mais... bon, là j'affronte les chevaliers d'argent. Ben, je dirais bien d'aller chez Saori. Je pense que je vais y aller. Je crois que j'ai bourré assez de chevaliers d'argent pour qu'ils se disent ils sont forts. Normalement, je devrais rencontrer le chevalier du lion. Je devrais rencontrer Shina aussi, mais pas ça. Est-ce qu'on part du principe que Saori est encore dans cette pièce? Blablabla. Non, bon. Bon, s'il y a personne devant, à mon avis, Saori est pas là. Cette musique va me rendre fou.
Je pense que je me suis fait enfler. Alors, chez moi, Colisée, ou alors dans les bois. Bah, c'est dans les bois, je dois rencontrer le lion là-bas, je crois. On n'a pas encore vu China. Hein. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a un mob? Il n'y a même plus de mob, je veux pas dire. Voilà. Oh là, je sais pas si c'est la musique qui est morte, mais... Peut-être à l'orphelinat. Non. Alors, un petit indice? Non? Bon. Bah, je vais aller au Colisée. Du coup. Le médecin est absent, oui, c'est juste. Le médecin, il soigne un patient, puis après il va faire une pause. Il attend que le patient en question se fasse maraver. Pardon, et il revient. Je veux bien vous avouer qu'à tourner en rond comme ça, je... Petit coup de barre, là. Ah, fantastique. Oh, il est sur moi. Bon, je vais de toute façon pourrir ta vie, toi. Ah oui, tu vas périr. Quoi? Tu l'as dit dans une langue que je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu m'as dit? Il attaque le premier. C'est quoi cette posture? Le seigneur du feu! Ça doit être pratique pour allumer sa cigarette. Oh, il m'a fait 4 points de dégâts. Bouffe mon coup de poing! À bientôt au sanctuaire! Alors, le seigneur du feu. Choisir ton attaque, coup de poing, Pégase, point de comète. Oh non, mon dieu, le reblochon. J'ai réussi. Mais arrête-toi. C'est le mob de merde qui va m'enlever plus de PV. Arrête de sauter partout. Bon, finalement, c'est pas mon cri. What? Wait. 2 minutes. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, mais c'est bien, mais à part ça, je fais quoi, moi? Oups, ça pue ça. C'était quoi ça? C'était quoi ça? Tu devrais rester et te reposer. Merci, mais je vais y aller. J'espère que tout est là. Mais non, mais non, mais non! Oh, t'es sérieux?
On va monter déjà. Je devrais m'en mettre des PV, je sais. Mais... Ah. Ouais, j'aurais dû m'en mettre des PV. C'est ma faute, j'étais con. Merci, mais je dois y aller. Bah oui, mais laisse-moi y aller. Ah, il veut vraiment que je refasse... D'accord. Je suis où, là, dans la continuité de l'histoire? Comment il me touche, machin? Oui, d'accord. Moi, la croix d'argent. Bah, toi, la croix d'argent. Très bien. Peut-être que je pense à mettre mon armure quand même. Parce que... Force de me ramasser des pétés sans armure. En fait, ce que vous savez pas, c'est que je fais la run sans armure. Ah, ouais, la croix d'argent, elle a volé là. Je fais la run sans armure. Ah, mais ils donnent plein de pecs, ces gens. Mais arrête, non, je... Dégage, sors de ma vie. La défense, c'est pour le faible. Une grotte. What? J'ai beaucoup de mal avec les téléportations. J'ai le pied qui gratte. C'est compliqué. C'est compliqué. Oula, oula, oula. Clairement. C'est pas... La croix d'argent, je serais pas fier à cette place. Hein. Mais je crois que les... Oui, je vais m'en poser, c'est bien. Je crois que les stats vont jusqu'à 20, maxi. Donc 17 de force... Je dois à peu près être au niveau d'Aldébaran. Bon, on m'a mis devant chez Saori. J'imagine qu'il y a rien. Mais à chaque fois, je me refais l'entièreté du manoir, mais... Putain, j'en ai marre. Et comme il n'y a personne pour venir me dire... Ah, sorry, tu es là. Merci, me voici sauvé. Rendons-nous au sanctuaire. Quelqu'un veut du poulet? Est-ce que je devrais pas aller voir Mu? J'ai été voir Mu, j'ai été voir le vieux maître, je sais pas. On se rend au sanctuaire. On est arrivé au sanctuaire. Wouah! C'est quoi ça? T'es qui toi? Yo! Ah, mais voilà! Alors laisse! Là, je pense que je vais prendre une branlée. Mais alors, si ça, c'est les chevaliers d'or, ils sont vraiment dégueulasses. Ça risque de piquer.
Il attaque le premier. Choisis la défense, mais de toute façon, je m'en fous. Esquive. Coup de tonnerre. Ah, ouh, putain. Ah oui, oui, oui. Je pense que ça va juste tellement que dalle. On peut être pote? Abandonne, Sayer. Saori et Athéna. Je ne suis pas dupe. Bah, enchanté, alors. Si t'es pas dupe, t'es qui? Il attaque le premier et me met 20 points de dégâts. Gros. Ah, non, que dalle. Coup de poing, le Pégase. Ah, bah, j'ai plié un chevalier d'or. Deux coups de poing, c'est bon. J'ai réussi! Il donne que 54 XP. Je suis déçu. Très déçu. J'ai dit quoi pour une nouvelle citation? Je me suis... J'ai même pas remarqué que je disais de la merde. Hop. Oh, bouille attaque. Tu peux la mettre. Bon, c'est une citation connue. Enfin, je la fais souvent. Souvent, quand les gens me disent je suis là, je suis enchanté. Bah oui, c'est ça. Mais Seigneur, c'est le héros. Hein. Faut pas déconner. On déconne pas avec les héros. Impose-toi. Bah, j'aimerais bien. Merci. Mais c'est parce que je suis. J'ai tout mon cosmos qui est concentré dans mes coups de poing. Peut-être que je vais débloquer une nouvelle attaque. Attends, est-ce que je peux me rendre au sanctuaire en volant? Choisis ta destination. Sanctuaire. Bah, du coup, on va y aller. Oula. Oula, oula. Bon, remarque, c'est plutôt joli. Oh, mais c'est quoi cette espèce de merde verte, là? Ah putain, c'est Chine à la merde verte. Ah merde. Chine. Toujours pas d'armure, rien à foutre. Bah Chine, je vais te plier. Je ne serai pas vaincu. Ah merde, bah effectivement, je serai pas vaincu. Ouais, je suis un chevalier divin de base. Ah, la griffe. Les griffes de la mort. Oh, au moins, l'animation est assez cool. Chine, c'est le deuxième point que je t'envoie. Tu es aussi coriace qu'un chevalier d'or. Ah, et tu fais mal, hein, en plus. Tiens, bouffe mon point. T'en raffole. Bah, je meurs. J'ai réussi. Qui en doutait en même temps. C'est quoi ce truc volant, hein? Oh. Ouah, il y a des trous. Ouah, je viens de me merder. Ouah, c'est quoi ça? Ne renonce jamais, Seigneur. Merci, Marine. Ça va maintenant. Arrête de me faire la morale, merde. Donc... Tu es chez Marine, tu te téléportes devant chez Saori, tu passes à l'hôpital, tu recommences le sanctuaire. Ce jeu est bien fait. Une perle. Une pépite. Ah non mais je vais pas... Je vais garder 3 PV parce que je vais me faire avoir par le pauvre con qui est devant l'hôpital. Non, c'est pas ça. Par contre, je vais booster le saut. Ah, c'est long, et quand t'as 100 PV à virer. Ah, bon, on a 3 PV.
Voilà. 5 de saut. Oui. Oui. Et en armure, ça va être encore mieux. Oui. Ah bah il est plus là, le pelé. Repose-toi ici, Seigneur. Bah oui, je... C'est pour ça que je viens. Parce que c'est vrai, j'ai un appartement, mais... Mais je peux pas dormir dedans. Le lit est fait, je peux pas dormir. Bon, alors j'espère que je me retape pas, China. Mais oui, mais c'est ça, c'est nouveau. Il fait le mariole avec cette dimension. Mais... Bah déjà, il s'est puissamment merdé avec Yoga, il va errer dans des dimensions parallèles le reste de sa vie. Le pauvre, il tombe 4 maisons plus loin. C'est un peu la honte, quand même. Libère ton cosmos. Bah non, là, je vais plutôt l'utiliser. Monsieur, faut arrêter. Oui. Ah ouais, carrément. Rocketman. Ouais. Allez, la maison du bélier. Je dois pas bourrer le bélier. Quoi. En fait, je prends le raccourci. Là. Je saute toutes les maisons. J'arrive directement au grand pop. Ah, voilà, une maison. Merde. Va au secours d'Athéna, Marine. Ah bah, elle a laissé un petit mot, c'est gentil. C'est quoi ça? Je comprends rien. Les téléportations, c'est la mort. Voici la revanche. Toi, t'y crois vraiment. Jamais tu ne gagnes. Je vais juste bourrer comme ça. Il attaque le premier. Comment il fait? Ah, sa race. Choisis l'offensive. Coup de poing dans ta mouille. Bim, t'es mort. Voilà. Bon, c'est quand même, Cassius, c'est quand même le personnage qui ne possède pas d'armure, qui arrive à ceinturer le lion, mais version fastoche, quoi. Je passe derrière, je te mets 3 coups, et puis on n'en parle plus. Waouh, c'est quoi ça? Oh putain, des grottes, non t'es sérieux? C'est quoi ce sanctuaire à deux balles? Je me cogne au plafond. Je crois que je devrais enlever mon armure. Tu vois. Oh là 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 là. Oh le Mario-like à la con. Oh putain, bien plus c'est fatal. Ne renonce jamais, Seigneur. Merci, Marine. Allez, ça va, mon frère. Allez, j'ai un petit peu mal à la tête. Ouais, c'est clairement facile, les combats. Bah, il meurt... Il meurt... Enfin, China veut aller avertir Sayar que... C'est ailleurs du lion. Est possédé par le grand peuple. Mais Cassius lui met un coup parce qu'elle est encore blessée de sa confrontation. Et il va à la place de China pour, entre guillemets, protéger Seiyar parce que c'est ce que China voudrait. Et ça nous donne une scène remplie d'émotions où l'ennemi d'enfance de Seiyar se sacrifie. Dis donc, monsieur. Pour sauver son frère. C'est une scène qui m'avait marqué quand même. Et puis du coup, comme Mayer a tué quelqu'un. Oh, c'est quoi ça? Et bah du coup, il est désorienté. Ah non, oh non, non, non. Je perds des PV là. Oui, je perds des PV. Je change pas une équipe qui ne vaut rien. Et je vais retomber dans un endroit tout à fait inconnu. Le début du niveau, c'est parfait. C'est pas facile, j'avais rien à faire ces 4 prochaines heures. Oups. Non, c'est tout, on m'en mettait pas 36. Oh putain. Ah, mais je suis croire.
dans le mur. Bah, je trouve qu'elle est marquante. Oui, effectivement. Le pauvre, il se prend une attaque et puis il a pas d'armure, il n'a rien pour protéger et il vole quand même. Mais je trouve que c'est une des scènes les plus marquantes du... Pardon, excusez-moi. Désolé si je vous ai détruit les tympans. T'es qui? Mais je t'ai déjà buté, toi, non? Je ne t'oublierai jamais. C'est toi, le pâte. Non, c'est son frangin, je... Mais j'ai pris son armure et tout. Merci. Il attaque le premier, mais comment il fait? Le météore d'Hercule, encore. Mais lui, il est pas censé déjà être cané, machin, non? Tiens, prends-toi un point de Pégase dans ta... Voilà, et fous-moi la peine. Casse-toi. Ah merde, ça marche pas. Oh merde! Le météore d'Hercule, qui fait des dégâts, parce que je me suis pas protégé comme un couillon. Monsieur, faut arrêter. Là. Bon, bah du coup, je te mets un petit punch. Ouf! Me voilà un autre homme. Ah oui, ça. Avec le sacrifice de Shiri. Stat Alchimiste l'a très bien résumé. Nous allons te battre par le puissant de l'amitié. Ciao, Shiri! Le météore de putain, je t'enlève des PV, tu vas morfler. Je suis en armure de Pégase d'or, là. On est d'accord que je suis en armure d'or. Hein. Bug graphique, les gars. Tiens, mange bien ça dans ta mouille. Ouah, la vache, le mec, il vient de devenir tout doré. Attends, je peux pas rentrer, c'est pas une pièce. Très bien. Oui. J'aime pas ces petites plateformes dégueulasses. Oui. C'est pas par là. C'est pas par là. Va te faire foutre. On met des PV. Et monter mon XP. Quoi de neuf? Bon, on se moque, mais c'est une bonne série quand même. Je suis dit. Un peu cucu. Un peu gnangnan. Mais c'est agréable. Non, on va brûler la force. Parce que je suis un fou. Tire-toi. Pinch. Si je reviens en arrière, je sens que je vais m'énerver. Oh, mais c'est quoi ces labyrinthes, sérieux? Ah oui, pour le Capricorne, oui. Pour le Capricorne, oui, son sacrifice vaillant et courageux. Tu ne mérites pas ton armure! Oh merde, c'est vrai! Ça marche à tous les coups. Ah mais... Il y a un truc en dessous ou c'est la mort assurée? Ouais, si au moins j'avais un indice sur où aller, quoi. Mais même un indice vague, hein, ça me... Oh, merde. Ok. La chute de Zelda 3. Ah oui. Mais c'est pour la science. Bon, à part ça, mon armure, elle me prend pas mal de cosmos, je pense que je vais l'enlever. Mais je sais pas où aller, c'est vraiment horrible. Oups. Monsieur, faut rater. Ah, mais t'es un mob, meurs. Bloqué par une colonne, on dirait Metroid. Mais t'es qui toi? Bon. Oui, je sais bien. Mais dans Stat Alchimiste,
t'as à la fin, parce que quand il retombe, Shiryu, il a l'armure du cancer sur lui. Du Capricorne sur lui. Du coup, dans cet alchimiste, il fait... Tu ne mérites pas cette armure. Puis t'as le Capricorne qui fait... Ah ouais, c'est vrai. Et du coup, il obtient l'armure du Capricorne. Avec Excalibur. Attention. Mais sérieux, bon, j'ai battu machin, mais il faut que je remonte. Oh là là, c'est tellement la loose ce truc, bordel. On va pas me dire qu'il y a un de ces machins. Qui a juste un. Qui a juste un seul de ces. Une seule de ces arches qui est bonne, quoi. Mais je ne sais pas où je vais. Je dois aller en bas à gauche. Sérieusement? Mais j'en viens d'en bas à gauche. Je me rappelle de... Oups là. Ok. Je suis ici au sanctuaire, toi chevalier de Babel. Il attaque le premier, encore. Le seigneur du feu, allume-moi mes cigarettes. Je ne te fais rien, merde, c'est la galère. Bouffe mon metteur de Pégase dans tes gencives. Et bim. Je devrais essayer autre chose quand même, je devrais changer de perso. Ouais, c'est vrai que c'est un passage qui est assez assez fort. Choisis la facilité, je vais taper. Bon, à part ça, j'ai bientôt plus de... Ah merde, mais j'ai pas du tout... Cette fois, je vaincrai. Mais t'es pas censé être mort. Poursuis-tu le combat? Ça, c'est une putain de question. Est-ce que je one-shot? Je peux pas vraiment m'amuser à faire le combat. D'accord. Si je le... Merde. Parole. Je refuse de t'écouter. Misty, Harley, c'est le mal. Je sens que ça va être bon. Coup de poing, et j'espère le buter. Tu ne peux pas frapper. Avec 5 de cosmos, ça va être compliqué. Le lézard démoniaque. Bah, je suis canné, c'est parfait. Ok, après je retourne voir. Donc je recommence. Impossible d'être vaincu. Allez, on reprend, c'est parti. Oh là là, ne renonce jamais. Bah, j'aimerais bien, mais là c'est la compliqué. Oui. Alors attends. Qu'est-ce que je veux? Bah, je vais bourrer la force, voilà. Ça, c'est fait. Et 24, la défense. Est-ce que j'ai moyen de me téléporter? J'imagine que non. Impossible d'aller ici. Merci, ça fait plaisir. Bon, on va la refaire, hein. Même jour, rejoue.
Ouais, c'est très japonais, hein, aussi. Du coup. D'accord, 4 pour la défense, j'ai dit. Mais du coup, comment je fais, moi, pour... Je peux pas repartir. Je vais pas pouvoir battre tous ces braves gens avec si peu de puissance. C'est un peu mal foutu niveau récupération. Hop là. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? C'est pas terrible. Je pourrais monter un peu mon cosmos. Je vais me mettre à 30 PV. Ouais, c'est pas la scène la plus jojo qui est du truc, mais... Bon, en même temps, avec Yoga, ils en font quand même tout le temps des tubs. Bon, on va essayer de pas se merder. Cette fois, je vais vaincre. Je rajoute des morts. Attends, il me faut 20, donc ça fait 40, j'ai 13 points. Je vais essayer comme ça. Le lézard démoniaque, ouais, je devrais y aller. Le point de Pégase. Touk. Allez, il me reste 4 points. On va le donner là. C'est pas clair les barres. Ah, je tape en premier. Mange-toi mon point, je n'ai plus de défense et j'en ai rien à foutre. Et bim, t'es mort. Voilà, très bien. C'était un peu tordu là, mais. Mais ça passe. Bon, du coup, tu m'as dit aller revoir Marine. Bon, bah, je vais essayer de retrouver Machine, du coup. Bon, je vais quand même faire pendant que je cherche désespérément le chemin qui me mènera à la victoire, la rétro-critique. Hein, je pense que ça pourrait être bien. Je pense que avant la fin même, je peux me permettre de le faire vu que je pense pas que le jeu changera drastiquement au mieux. Le jeu est assez cool, moi je trouve. Non, je veux pas aller. J'aime beaucoup le concept du jeu. Dans sa réalisation, malheureusement, ça pêche un peu. Niveau gameplay, il y a parfois des trucs très très incohérents. Des petits passages de téléportation que tu comprends pas tellement. Ah, mais je suis bête, en fait. Du coup, c'est parfois un peu obscur où tu dois aller, comment tu dois le faire. Ha 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 ha.
C'est tout à fait ça. Graphiquement, je trouve qu'il se défend. Je veux dire, pour du 1986-87, les personnages sont assez jolis quand ils sont faits dans les petits encarts. Alors, le menu, c'est super chiant. Il est super lent, c'est vraiment casse-couille. La traduction, ma foi, elle est mauvaise, mais comme je l'ai dit, je pense que c'est parce que c'est une contrainte technique. Sinon, que dire de plus? Bah, elle est pas là, Marine. Elle est pas là, Marine. Oups, merde. C'est pas un mauvais jeu, mais malheureusement, il a des défauts qui font que c'est très compliqué, je pense, de lui mettre une note potable. Attention les ballons, hop, pas mal. Et du coup... Ah mais non, il y en a encore un. Ah merde, mais j'ai pas assez de cosmos, c'est qui? Veux-tu sauver Marine? Ah bon? Où est Marine? D'accord. Bon bah on va tout donner quoi. Avec 10 PV, je vais y aller. Oups. Je pense qu'il lui manque pas grand chose en fait. Peut-être un peu plus. Mose le monstre. Peut-être un peu plus de cohérence. Au niveau de l'histoire. Éviter les téléportations à la con. Essayer de trouver un système pour. Pour que qu'on comprenne. Maintenant, comme d'hab, si il devait. Mais je vais jamais pouvoir battre personne avec ce que j'ai là. Arrêtez de déconner 2 minutes, je peux pas. Je peux pas battre quelqu'un avec ça. Tiens, on va trouver. Ne renonce jamais, essayeur. Merci, Marine. Ouais, je pense que s'il sortait maintenant, le simple fait d'avoir des téléportations à la con, c'est mort. Ok, très bien. Mais du coup, comment je fais? Ça va être chiant. Le simple fait d'avoir des téléportations, ça va... Et des incohérences au niveau... Ah, il faut aller ici, il faut aller là. Ça va être très, très, très compliqué. Non, mais je sais bien, mais... Mais je peux pas dormir plus. Comment tu veux que je... Marine, j'aimerais bien récupérer, quoi. Parce que là, c'est vraiment compliqué. Maintenant, s'il est refait en une version HD avec des vrais décors, un peu moins labyrinthique que ça... Ah oui, les labyrinthes, putain, j'en ai pas parlé. Ça, c'est l'horreur. C'est dégueulasse. Tout se ressemble. Tu passes d'un plan à un autre sans savoir comment tu fais. Tu fais des sauts, il y a des trous... Non, c'est pas une très bonne idée de gameplay. Les combats sont... Bah, je dirais que les combats sont à la fois trop faciles et trop compliqués. C'est peut-être aussi moi qui gère très mal mon cosmos. Ça, c'est une possibilité. Mais je trouve que les combats... Bah, là, par exemple, j'ai l'impression que je suis bloqué. Mais vraiment, c'est-à-dire que le jeu ne m'enlèvera jamais plus de PV. Et je sais pas s'il y a un moyen d'en gagner plus. Et du coup, arrivé à ce stade-là du jeu, je vais pas y arriver, et me retrouver bloqué, ça me fait clairement chier. Parce que du coup, je sais pas ce que je vais faire. Ah non, allez, faut que je parle. Donc,
Voilà, ça risque de me tendre un petit peu. La musique est pas mal pour une console, pour la Nintendo. C'est juste que c'est pas très agréable d'écouter ça en boucle, parce que tu galères et que tu tournes en rond, dans ton coin. Mais je crois que le pire c'est le menu, sérieusement. Mais la musique est pas trop mal. S'ils refont une OST sur une version moderne du jeu, je pense que ça peut donner quelque chose de... Mais tu fous quoi là toi? Ah merde! Mais non, je veux pas sauver Marine, je m'en fous Marine. Ça va être chiant. Perry avec ta sœur. Marine serait ma sœur. Ah, bah voilà, c'est pas tout de suite là. Mais il me reste 10 PV, mec, laisse tomber. Ah, mais je... Ah, ça me fait chier d'être ça là. Mais... Bon, mais il m'a raté, c'est cool, mais j'ai plus assez de... J'ai clairement pas assez de niveau là. Voilà, 5. Attends, la moitié c'est là, la moitié de la moitié, c'est bon. Ah merde, j'ai attaqué quand même. Bon, je suis calme. Ouais. Oh, je décède. Mais les musiques sinon, elles sont relativement agréables. C'est juste que quand tu les as entendues 15 fois, ça devient un petit peu compliqué. Bah oui, mais je veux bien ne pas renoncer, Marine, mais là je... Là, ma grande, je vois pas du tout comment je peux faire. Oups. Donc, du coup, c'est plutôt la mode. Donc, bon, il ressortirait aujourd'hui avec les nouveaux graphismes et peut-être une OST un peu refaite. Je pense que si le jeu reste aussi cryptique et mal guidé que ça, ça passe pas. Ça passe clairement pas. Mais ça m'intéresserait d'avoir un jeu Saint Seiya qui ne soit pas un bête beat'em all dégueulasse comme on nous a proposé. Je crois qu'il est sur PS3, il me semble. Celui-là, il est pas bon. Enfin, c'est un beat'em all quoi. Enfin, pas un mushu. Du coup. Non, je veux pas. Mais sinon, je le trouve relativement agréable. Même si je tourne en rond et que j'ai l'impression de galérer, je passe un moment relativement bien. Bien entendu, ce n'est pas le jeu le plus excitant du monde. Donc voilà, malgré le fait que je pense qu'il ne passe pas et que beaucoup le considèrent comme une bouse sans nom. Oui, d'accord, ça c'est ma faute. Je passe un bon moment. C'est-à-dire qu'il meurt au fond d'un truc. Non mais il faut me donner plus de PV, là, je vais pas y arriver. Sincèrement. Mais... J'ai compris pourquoi je mourrais chez Mou. C'est parce que bêtement je mettais en bas. Et si tu mets en bas, tu passes au travers du mur. C'est un peu problématique. Est-ce qu'il y a un moyen quelconque de regagner des PV? À part l'hôpital où je n'y ai pas accès actuellement. Parce que là, sincèrement, je suis bloqué, quoi. Je vois pas comment je peux faire. Mmh.
Bah, je peux pas aller chez Mu. Je peux pas bouger de là. Ils veulent pas. Je peux pas me téléporter. Et j'ai pas le. Ah merde. Et j'ai pas le truc pour sortir de la zone. Enfin, je sais pas s'il y a un endroit où je peux sortir de la zone, mais je ne peux pas. Et non. Putain, si j'essaye. Bah là, je suis un petit peu dans la merde. Ça m'arrangerait bien qu'on m'aide. Impossible d'aller ici. Bah du coup c'est quoi, c'est infini de death en pool. Parce que voilà. Merde. Y'a même pas un mot de passe ou un truc ou un machin? Ah mais non, le mot de passe il faut que je le mette au milieu au début du jeu. Ouh là là, c'est compliqué. Ah ça m'emmerde hein. Oh putain. Donc quand je mets pause et que je mets select, ça fait quand même le menu. Ok. Parce que là j'ai le mot de passe. Note ce mot de passe. Recommence le jeu, Seigneur. Ah merci, ça fait plaisir. Repose-toi. Quoi? Bah écoutez, je vais essayer un truc. Parce que parfois ça marche. Parfois. Au pire, je perds pas grand chose à essayer. Alors. Je vais noter le mot de passe. WNFLM. Bon. C'est. Oh, ce mot de passe arrange. 9 par an. HN, interrogation. Ah, ça sauvegarde les stats. Ça veut dire que je vais recommencer avec mes mêmes merdes. Bon, alors, j'essaye. Alors, quoi de machin? Alors, je vais... lui faire une photo à la place de l'écrit, je sais pas pourquoi. On essaye. Non. Un petit pas. Est-ce que c'était vraiment tout en majuscule là? Là j'ai un doute là.
31 F 42 K. Ah, d'accord, bon. Ben on n'est pas dans la merde. Witch, witch, witch. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, je vais pas arriver à le battre. Je suis arrivé à la fin du jeu. Bah non, mais il faut que je batte encore. Il faut que je batte les chevaliers d'or du sanctuaire. Ah, ça m'emmerderait. J'ai quand même envie d'avoir la vraie fin. Enfin, un truc un peu. Voilà. J'ai cherché un truc. Bah, je veux bien que ce soit boss rush, mais c'est dommage d'arrêter là. Mais je veux pas de YouTube. Ce truc me casse vraiment les couilles. Tac. Tac. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, peut-être que je trouve un mot de passe, en fait. Non, c'est pas ça que je veux. Peut-être que je trouve un mot de passe qui me ramène ici avec un petit peu plus de... de vie. Non, c'est pas ça. Bon, bah c'est ça. Alors, tac, tac, tac. Yes. Espérons que j'arrive à trouver quelque chose. Ça m'embêterait vraiment. Je crois que j'ai quelque chose. Ça. Oh,
Ouh là 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 là, mon chat est en... Est en PLS, j'ai perdu des images. Mon dieu. C'est pas très très Ouais, j'ai pas grand chose. Fac. Bah là, j'ai plein de trucs qui tournent en même temps, donc du coup, mon ordi, il est pas très content. Pourtant, j'utilise presque pas le CPU. Il devrait être capable de faire tourner tout ça un peu. Alors. General fuck, deep fuck. Mais c'est ça. Mais je crois pas qu'il y a de mot de passe. C'est assez embêtant en fait. Parce que bon, je me retape pas. On n'est pas bien là, hein? Merci. Crédit, blabla. Ah, il y a eu même. Ah, putain, il y a même une course contre le temps. Eh ben. Ouais. Ah, carrément. Ah ouais, merde. Ah oui, du coup, je comprends que ce soit un peu pénible. Bah, qu'est-ce qui se passe? Vous avez encore de l'image ou c'est de la galère? On va fermer ça. Bah écoutez, du coup moi je suis un peu embêté parce qu'on va pas pouvoir nous montrer la fin du jeu. Il faudrait que je recommence. Ok. J'ai peur d'avoir lagué un moment. Et ça m'embête vraiment parce que du coup il restait quand même les chevaliers d'or et ça aurait pu être rigolo. Mais bon, si je recommence, je pense que je m'y code de voir les stats à fond dès le début, comme ça on se fait pas chier. Mais là, ouais, je... Un soft log du jeu, c'est pas... Un soft log involontaire du jeu, c'est pas terrible. Et j'arrive pas à trouver les codes pour Ils doivent bien exister quelque part, mais je sais pas où. Ouais, merde, j'arrive pas. Oups. Oui. Oui. Je veux le très haut. Ah, le charme des jeux Nintendo d'époque qui te disait non, 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 ça part pas, tu ne le fais pas. Je me demande.
Piouf. Peut-être si je reste comme ça pendant une heure et demie. Si je lui envoie des petites pêches comme ça, il subit des dégâts. Non. Bon. Je ne vois pas ce que je pourrais faire de plus en fait. Malheureusement. Si je pouvais enfiler l'armure du... Je sais pas. Veux-tu sauver Marine? Où est Marine? Viens avec ta sœur. Quoi, Marine, ma sœur? Est-ce que je peux... Ah merde, on aura essayé une fois. Aïe. Ça pique. Ah putain, et puis en plus il me met à 7 PV, 17 de cosmos. Oh là là. Bah non, ça va pas. Madame, bien sûr que non, que ça ne va pas. Ça ne fait qu'empirer. Bon, bah écoutez, voilà. On aura fait ce qu'on aura pu sur le jeu. Malheureusement, là, je... à moins que quelqu'un ait subitement une idée géniale, je ne sais pas quoi faire. Je suis vraiment coincé. Ah merde. En plus, je tombe dans le trou comme un caquet. Bah écoute, j'aimerais me reposer. Bah j'essaie, j'appuie sur des boutons. Je fais tout ce qui est possible de faire. Bah merci, mais je suis quand même un peu déçu parce que bah du coup j'aurais aimé quand même le fini. Mais bon, du coup voilà, on est un petit peu dans la mode. Bon, en plus il est 23h36, je pense que je vais arrêter le stream ici. Alors merci de m'avoir suivi dans ces aventures de Chevalier du Zodiac. Je le recommencerai peut-être, mais pas tout de suite. Avec le code pour essayer de le terminer, juste pour avoir la fin en fait, parce que j'aimerais quand même bien avoir j'aimerais quand même bien faire les chevaliers d'or et puis faire le reste, ça me ferait plaisir. Du coup, prochain stream, je vais... Merci, un peu de silence. Oh, pardon, ça fait du bien. Du coup, prochain stream, je pense que je vais streamer demain soir. Mais je ne sais pas encore quoi. Est-ce que l'on finit GoldenEye ou est-ce que je commence Pokémon ou est-ce que je joue à autre chose? Je ne sais pas encore. Est-ce que vous avez des trucs à me proposer aussi? Pourquoi pas? Dans le style machin merdique, je l'ai pas encore testé, je sais pas s'il marche. Mais j'ai ça que je peux vous montrer. Là, ça m'a l'air d'être bien. Hein. Oh putain. Bon, partons. Mais comment? Ah, j'ai passé un truc. Oh putain.
Donc, voilà ce qui peut être envisageable. Aussi de faire. C'est quoi ce machin d'épée là? Est-ce que bourré ça suffit? Bourré ça suffit, c'est bien. J'ai rien compris. on peut tenter ça demain soir. Au secours! Oh non! Elle a été capturée. Mais je comprends que ça ne plaise pas à tous. Hein. C'est pas... C'est quoi ça? Un gâteau. Mais il est très bien ce jeu, je sais pas ce que tu lui reproches. Je ne sais pas, j'ai plein de jeux que je voudrais faire. Vite. Ou alors est-ce qu'on commence un bon jeu? Entre guillemets. On peut faire ça aussi. Mais on n'est pas à 12 millions sur le stream. Je peux me permettre de vous demander des trucs. Bon, toi, tu vas payer comme ça. Voilà. Je sais pas ce que vous avez envie de voir. Moi, je joue volontiers à plein de choses, donc... je suis pas chiant. Hé, ça va? Ouais, le projet Pokémon tient toujours. Le Noizlocke peut être fait. Je garantis pas que ça va durer très longtemps. Parce que le Nuzlocke peut très vite tourner à la cata, mais on peut essayer, ouais. Sinon, j'ai plein de... Enfin, j'ai aussi d'autres RPG, etc. Partons, d'accord. Inutile de s'attarder. Tu as peur? Mais non, mais c'est une perte de temps. Oh putain, ces dialogues, pitié. Oh, la tête de Bulma. Moi, je veux bien partir, mais je vais où? Mais je l'avais jamais... Enfin, je l'ai jamais fait, ce jeu, et je regrette, étant enfant, parce que Dragon Ball est une de mes séries... Alors, tu veux me voir jouer à Dark Omen? Mais il y a des let's play de Dark Omen, tu... Et je peux pas streamer de la PS1. J'ai pas un bon émulateur et du coup je peux pas utiliser les manettes. Et c'est très compliqué. J'ai perdu mon chemin. On va vous conduire. Ça va pas? Alors ça c'est pause. J'ai un menu ou quelque chose dans ce jeu? Non. Dark Omen, j'ai déjà fait un let's play en vidéo. Je vais me faire caillasser la gueule là. Je suis l'ermite. C'est lui, c'est l'ermite. Bah j'aimerais bien hein, du Warhammer Total War, sincèrement. J'ai un cadeau en récompense. Viens. Bah du coup, je pense que si tu veux voir l'aventure... Du sexe, vas-y, du sexe, du sexe.
Vas-y, montre-moi, bref. Donne-moi ton repas, tu rigoles. Si tu veux voir un Nuzlocke Challenge fait par un trou, je pense qu'il faut que tu regardes ailleurs. Parce que je suis pas un trou. Mais qu'est-ce que je devais faire? Tu me donnes ta balle. C'est un peu cochon, ça. Ça y est! 1-4! Déjà? Goré. Bon, je peux me lancer dans le noise lock demain, ouais, effectivement. Je sais pas quel est ton niveau Pokémon. Je sens quelqu'un. Ah bon, d'accord. Tu sens quelqu'un. Waouh, c'est quoi ces trucs chelous? Des crabes. De toute façon, t'avances et tu tapes, ça ne change pas. Très bien, tu vois. Yeah. Oh merde, j'ai peut-être pas dû taper. Ah, si, je l'ai tapé. Ouah, je vais mourir. Je suis mort. En dessous de ma gueule, là. Ah ouais, d'accord. Bah alors du coup, ouais je commence... Ah mais je perds du power en plus au fur et à mesure parce que je bouffe pas. Oui d'accord, je comprends pourquoi c'est un jeu de Satan. Alors du coup, on peut commencer effectivement le Nuzlocke sur Pokémon. Ok, ça marche. Ah oui, ça, oui. Ça aussi c'est un bon jeu. Je comprends rien mais c'est un bon jeu. Hop. Voilà. Alors, bah, du coup, je vous dis à demain. Normalement, si tout va bien, 20h. Et puis, on commencera. Et peut-être terminera, je ne sais pas. Le Nuzlocke. Si vous voulez retrouver cette. Non, c'est Dragon Warrior, le jeu. Sur NES. Si vous voulez retrouver cette vidéo, bah, vous pouvez la retrouver pendant 2 semaines, je crois, sur Twitch. Sinon, je vais mettre la VOD sur YouTube. Je vais la retravailler un petit peu, par contre. Je vais enlever les moments morts, etc. Et puis, normalement, si tout va bien, à demain. Est-ce que, Sirero, est-ce que tu stream demain dans la journée ou la soirée? Parce que je me suis abonné à ta chaîne, alors du coup, j'aimerais voir un petit peu. Moi, j'ai encore plein de jeux, en fait. Est-ce que Sirero est parti? Bah écoute, oups, j'ai fait une bêtise là. Bah écoute, je passerai peut-être te dire coucou pendant ton stream. Du coup. Bien, je vous souhaite une bonne soirée. Merci de m'avoir suivi dans la pérégrination des chevaliers du Zodiac. Ce fut à la fois très instructif et très douloureux, si je puis dire. Et puis, prenez soin de vous, des bisous, une bonne nuit. Et normalement, à demain. Ciao, ciao!